Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle communication. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parcourir ensemble un ensemble d'idées. Nous allons voir ensemble certains concepts en fait qui s'inscrivent dans la suite de ce que nous avons initié voilà déjà quelques jours, puisque j'ai dit que nous avons l'intention de débuter et de rendre un peu plus permanentes les communications via les chaînes YouTube A Contrario et Air de Battage, chaîne à laquelle je vous invite d'ailleurs à vous abonner, et que nous avons débuté ce cycle avec la figure d'Osiris. Donc aujourd'hui, nous allons pouvoir évoquer un aspect important d'Osiris, sachant que, naturellement que dans ce contexte, j'utilise ce terme pour me faire comprendre. Il s'agit là en réalité d'une mesure conservatoire, car vous verrez que du point de vue des anciens Égyptiens, il s'agit d'un nom parfaitement polysémique, mais étant donné qu'il faut quand même comme ça nommer un peu les choses pour qu'elles soient comprises, eh bien, nous dirons Osiris par mesure conservatoire dans un premier temps, comme ça au moins chacun saura de quoi nous parlons. Alors avant de débuter, prière s'il vous plaît de m'indiquer si vous me recevez correctement, ce qui me permettra de vérifier si la connexion est correcte et si on peut, si nous pouvons débuter cette communication dans de bonnes conditions. Merci.
Ok, donc apparemment, on me reçoit parfaitement, qu'il s'agisse de YouTube ou de Facebook, parce que je reçois en fait les messages en direct. Donc merci pour ceux qui prennent souvent le temps comme ça de me rappeler, de me préciser en fait si les choses se ressemblent correctement, parce que je n'ai aucun moyen réellement de le savoir. Voilà, alors comme j'ai dit, cette communication est consacrée au dieu Osiris. Nous dirons ceci. Puisque nous empruntons cette manière de dire, disons, à l'égyptologie. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est un peu la porte, le moyen par lequel nous entrons, en fait, dans ce corpus. Donc, je vais utiliser ce terme, Osiris, simplement pour me faire comprendre. Mais vous verrez très tôt que dans la communication qui est la nôtre aujourd'hui, qui a pour thème, qu'appelle-t-on la passion d'Osiris? Eh bien, nous allons très tôt solliciter les langues africaines, les langues subsahariennes pour bien comprendre de quoi il s'agit lorsque nous parlons de la passion d'Osiris, un terme qui d'ailleurs apparaît déjà dans l'œuvre d'Hérodote pour nommer en fait les mystères qui avaient cours en Égypte antique autour de cette figure éminente de la civilisation égyptienne. Alors je vais pouvoir partager mon écran, ça aussi j'espère que ceci va fonctionner correctement. Donc prière de m'indiquer si vous recevez le partage d'écran, s'il vous plaît. Ok, parfait. Apparemment, ça fonctionne également correctement. Alors, je salue ceux que je reconnais. Je salue Essonne, je salue Mokhtar Diallo, Yoga Brian, je salue enfin Junior Tani Billa. Bref, je vous salue tous. Je vous adresse le salut de Bruce et merci réellement de cette fidélité que vous accordez à ces modestes travaux. J'espère que nous serons de plus en plus nombreux dans ce contexte. Et comme j'ai dit, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, eh bien, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, à la chaîne Air de Battage. Vous pouvez également souscrire si vous souhaitez soutenir la chaîne, car votre souscription est pour nous l'occasion, et bien sûr, de bonifier le contenu et de régulariser ce type d'exercice que nous souhaitons faire assez régulièrement, car la matière est réellement dense et cela prend évidemment beaucoup de temps en préparation, beaucoup de temps aussi en technique et beaucoup de moyens également, dans un sens, puisque nous n'avons pas nécessairement, nous, la technicité pour comprendre un peu ces systèmes qui deviennent de plus en plus complexes, qu'il s'agisse de la traduction, qu'il s'agisse même de l'outil Internet, parce qu'aujourd'hui, nous avons des outils relativement performants. Et puisque nous avons fait le pari de l'excellence, eh bien, nous souhaitons toujours vous fournir, disons, le meilleur qui soit. Et c'est la raison pour laquelle, naturellement, pour ce faire, nous avons également besoin de votre soutien. Voilà, donc pour ceux qui peuvent souscrire, évidemment, ceci est le bienvenu. Dans tous les cas, pour les souscriptions, il s'agit simplement d'aller sur la chaîne Air de Battage ou sur la chaîne A Contrario et vous verrez le bouton Rejoindre qui vous permettra, disons, de connaître les conditions dans lesquelles cette souscription est possible. Voilà, alors je commencerai mon propos en indiquant. Alors, apparemment, vous m'aviez perdu. Donc, je vais reprendre le texte qui est présentement exposé à l'écran pour rappeler que ce texte est un extrait
de la revue Kumaba, le numéro 5, revue, enfin numéro d'ailleurs consacré à Osiris, dans lequel nous abordons spécifiquement la figure d'Osiris. La revue Kumaba, qui, comme vous le savez, est la revue africaine d'égyptologie. Et donc, je l'ai dit, hein, ce numéro est donc consacré à Osiris. Donc, je dirais ceci en forme d'introduction pour questionner l'attestation du nom d'Osiris, pour que vous ayez une idée claire, en fait, du moment à partir duquel ce nom est attesté dans les textes égyptiens. En l'état actuel des connaissances, les premières mentions du nom d'Osiris remontent au règne du pharaon Nisiré. Et j'ai rappelé en fait que Nisiré ou Niusiré, c'est un nom peul, ce qui peut supposer ici de conduire, disons, une enquête pour essayer de comprendre finalement si cette dynastie à laquelle appartient ce pharaon a quelque chose à voir avec les peuls. En tous les cas, Nisiré, le nom tel qu'il est écrit ici, c'est un nom peul. Ça, il faudrait quand même le savoir, donc je le dis comme ça. Donc, à l'état actuel des connaissances, les premières mentions du nom d'Osiris remontent au règne du pharaon Nisiré sous la 5e dynastie, soit vers 2500 avant l'ère actuelle. C'est durant l'Ancien Empire, la période à laquelle appartient cette dynastie, que ce nom apparaît pour la première fois dans des formules funéraires. J.G. Griffiths, l'auteur d'une étude sur les origines d'Osiris publiée en 1980, rappelle qu'il n'existe aucune preuve directe du culte d'Osiris avant la 5e dynastie. J.G. Griffiths, l'auteur d'une étude sur les origines d'Osiris publiée en 1990, rappelle qu'il n'existe aucune preuve directe du culte d'Osiris avant la 5e dynastie, mais conclut cependant que ce culte a dû exister avant cette période en se référant aux rites de momification et autres rituels funéraires placés sous la tutelle du dieu mort et ressuscité, c'est-à-dire d'Osiris, puisque vous le savez, Osiris est mort et ressuscité. On peut dire un dieu, on peut dire un roi. En tous les cas, il s'agit ici naturellement d'insister sur le caractère mythique de ce personnage pour ensuite rappeler qu'effectivement, il est dans l'histoire le premier personnage qui revendique ses aspects, hein, du point de vue de la religion, c'est-à-dire Osiris meurt et ressuscite. Ce qui n'est pas sans rappeler quelques thèmes qui paraissent aujourd'hui comme ça dans le christianisme notamment. Donc voici pour l'introduction. Ensuite, je dirais ceci concernant la signification du nom d'Osiris. Alors, je vais juste m'assurer que, parce que je sais que vous m'avez perdu tout à l'heure. Prière juste de me dire si vous me recevez correctement, parce que tout à l'heure, je sais que vous m'avez perdu, mais je veux juste m'assurer que ça fonctionne correctement. Voilà, donc juste me faire une note, s'il vous plaît, rapidement. OK. Parfait. Donc, apparemment, ça fonctionne à nouveau. Plusieurs hypothèses portant sur la signification du nom d'Osiris ont été émises. Plusieurs hypothèses portant sur la signification du nom d'Osiris ont été émises. J.G. Griffiths, encore lui, traite également de cette question pour conclure que le théonyme translittéré ou sir, ici vous avez entre guillemets la graphie, viendrait d'un groupe hiéroglyphique qui signifie puissant. C'est un groupe translittéré, on le verra mieux tout à l'heure, puisqu'on va en parler brièvement. Donc, d'après J.G. Griffiths, le théonyme, c'est-à-dire le nom d'Osiris, si vous voulez, translittéré ou sir, viendrait d'un groupe d'une graphie qui signifie puissant et traduit ce mot divin par le puissant, en anglais de Almighty. Alors, c'est la proposition de J.G. Griffiths qui pensait, et avec d'autres d'ailleurs sans doute, que le nom d'Osiris tel qu'il paraît dans les textes égyptiens a le sens de puissant, c'est-à-dire le puissant, en anglais du Almighty. Et Faulkner émet des réserves, qui était également un égyptologue britannique, émet des réserves sur cette hypothèse car, conclut-il, à sa connaissance, le nom d'Osiris n'est jamais écrit avec le groupe de signes qui signifie puissant, qui pourrait donc permettre de traduire le nom d'Osiris par le puissant.
d'après Griffith. Dans un article publié en 2010, Bernard Mathieu, ça c'est une note que j'ai déjà rappelée il y a quelques jours, parce que j'ai parlé de la première paronomase attestée du nom d'Osiris, mais je vais la reprendre ici parce que cela permet en fait de saisir en quelque sorte les différentes hypothèses qui ont été émises concernant la signification du nom d'Osiris. Dans un article publié en 2010, Bernard Mathieu présente la première paronomase connue sur le nom d'Osiris. Il s'agit d'une déclaration d'un prêtre ritualiste au défunt qui dit « L'Énéade a placé ton adversaire sous toi, lui qui avait dit « Il est plus ancien que moi » en ton nom d'Osiris. » Cette première paronomase connue sur le nom d'Osiris, conclut Bernard Mathieu, nous prouve seulement que l'expression « plus ancien que moi » et le nom d'Osiris était quasiment homophone dans la langue des anciens Égyptiens. Remarque qui repose sur les nombreux jeux de mots autour du nom d'Osiris, jeu de mots concepteur d'une vérité théologique et susceptible de fournir aux chercheurs de précieuses informations sur la phonétique de ce théonyme. Alors, ce qui est intéressant ici, en guise d'introduction, c'est simplement de rappeler qu'il n'y a pas une sorte d'unanimité qui est formée au moment où nous parlons sur la signification précise du nom d'Osiris. Mais on peut quand même, du point de vue des égyptologues, bien entendu, mais on peut quand même comme ça voir qu'il y a eu des auteurs qui se sont réellement posé cette question et qui ont tenté comme ça d'éclairer ce fait, d'éclairer le sens que pouvait avoir ce nom, qui reste d'une certaine manière relativement énigmatique. Aujourd'hui, je vais me servir donc de ce départ pour questionner ce que c'est finalement que la passion d'Osiris, parce que je l'ai dit, et nous le verrons de manière tout à fait certaine et aussi dans le détail, que le nom transitéré ou sire, c'est un nom, c'est un thème polysémique en égyptien pharaonique, d'accord? Osiré, c'est la forme copte. On dit également Osiri en copte qui va devenir Osiris hein, chez les Grecs et les Latins. Mais ce sont des formes qui, certes, apparaissent aussi au sein des langues subsahariennes, mais pour désigner soit des verbes, soit des mots, soit des objets, etc., on le verra. Dans tous les cas, le champ sémantique dans lequel se déploie cette graphie a toujours à voir avec Osiris. Et vous verrez que Griffith, dans un sens, a raison. Bernard Mathieu également a raison. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire exactement aujourd'hui qu'Osiris signifie telle ou telle chose. Quant au fond, on le verra également, en réalité, ce concept se rapporte à la notion de totalité, c'est-à-dire à l'unité, comprise comme l'expression du chiffre 1, donc de l'unité, qui est le souverain principe, le premier principe. Voilà à quoi se rapporte le nom d'Osiris quant au fond, conceptuellement parlant. Maintenant, dans l'expression, il y a plusieurs manières de l'illustrer, et c'est ce que je vais tenter de montrer aujourd'hui à travers le concept de passion. Qu'est-ce que c'est que la passion d'Osiris? Donc ici, vous avez alors deux graphies. La première, celle que vous avez ici à votre gauche, est celle à laquelle se réfère Griffith lorsqu'il avance que le nom d'Osiris traduirait le puissant. D'accord? À droite, vous avez la graphie sollicitée par Griffith, graphie sur laquelle il se base pour signifier que le nom d'Osiris signifie le puissant. Et à droite, vous avez l'une des formes que prend le nom d'Osiris. C'est une variante graphique du nom d'Osiris. Pourquoi j'utilise cette forme pour illustrer mon propos? C'est simplement parce qu'ici, nous avons ce que nous appelons, dans le cadre de la lecture analytique, des homographes. C'est-à-dire des graphies qui partagent les mêmes signes, mais qui n'ont pas le même sens. Et si vous observez convenablement ces deux graphies, vous verrez qu'elles partagent en fait les mêmes signes, hormis un sceptre qui paraît dans le thème puissant, dans la graphie qui a le sens de puissant. Mais ce sceptre est en réalité ce qu'on appelle un trilitaire, qui assume à lui seul les valeurs du poussin de caille, on va dire de l'étoffe pliée, et ensuite du signe qui ressemble, je le dirais de cette façon, puisque c'est une expression ici visuelle, qui ressemble à une bouche ouverte, en quelque sorte. Donc, le poussin de caille rencontre, on va dire, de la lettre W, l'étoffe pliée de la lettre S et la bouche ouverte de la lettre R. Donc, c'est la raison pour laquelle le scribe peut se servir et introduire ce sceptre dans cette graphie parce que de toute façon, c'est un peu comme s'il faisait une répétition d'un même thème dans un sens, puisque ce sceptre à lui seul est translittéré WSR, c'est-à-dire la valeur des signes qui l'encadre d'une certaine façon. C'est la raison pour laquelle on peut dire avec certitude qu'il s'agit de deux parfaits homophones.
c'est-à-dire des homographes, si on se base déjà sur les signes gravés, et ensuite des homophones. Alors, qu'est-ce que c'est, rapidement? Que les homographes, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire encore une fois, parce que pour nous, c'est important d'avoir cette première entrée lorsqu'on parle de la lecture analytique des caractères sacrés égyptiens à partir des langues africaines modernes, que nous avons en abrégé nommé la méthode Kuma. Voilà. Les homographes sont des graphies qui partagent les mêmes signes, mais qui n'ont pas le même sens. La conséquence de ceci, c'est quoi? C'est que, puisque les mêmes signes sollicitent les mêmes sons, cela signifie que les homographes rendent compte d'homophones dans la langue parlée. Ce qui signifie concrètement quoi? Ce qui signifie concrètement que, dans la langue des anciens Égyptiens, lorsqu'on disait puissant et qu'on nommait, cette divinité qui va rester dans l'histoire comme étant Osiris, j'ai dit que c'est un terme que j'utilise par convention, hein. Il faut bien me comprendre, parce que je ne peux pas toujours aller dans de ces détails. Dans une communication comme celle-ci, ça prendrait beaucoup de temps. Et bon, raison pour laquelle j'invite ceux qui souhaitent en savoir plus, évidemment, qui souhaitent vraiment aller un peu plus en profondeur, dans ces, de nous rejoindre dans le cadre de l'école des scribes, parce que c'est ce que nous étudions dans le cadre, de l'école des scribes. Voilà. Donc, je disais que ces deux graphies sont des... homographes. Les homographes sont des graphies qui utilisent les mêmes signes, mais qui ont un sens différent. Puisque les mêmes signes produisent les mêmes sons, cela signifie que dans la langue parlée des anciens Égyptiens, lorsque je disais puissant et lorsque je nommais cette divinité qui restera dans l'histoire sous le nom d'Osiris, je disais la même chose. Je prononçais un mot qui se ressemble, des mots qui se ressemblent, qui avaient une affinité remarquable au niveau du son. Est-ce que chacun comprend cette nuance? Prière, s'il vous plaît, de me rassurer vis-à-vis de ça, parce que c'est une introduction et je veux quand même avoir un bon départ pour qu'on soit d'accord sur, ces éléments de langage. Prière, de me faire une note, ce qui me permettra aussi de souffler, bien évidemment. Voilà. Ok, merci Néal, tu es toujours premier au rendez-vous. Merci à ceux également qui m'écrivent de Facebook. Malheureusement, parfois, venant de Facebook, je n'ai pas nécessairement les noms. Je pourrais les avoir, mais ça demande une manipulation technique. Vraiment, je ne préfère pas prendre de chance. Donc, merci Philomène, merci à Sarah Madi. Ok, parfait, donc c'est compris. Si c'est compris pour vous, j'estime que c'est compris à peu près pour tout le monde. Parce que ce que je dis est simple. Tout le monde, je le pense objectivement. Et si vous le comprenez, bien c'est très bien. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous comprenez que ces deux graphies se prononcent de la même façon dans la langue des anciens Égyptiens. Ceci est fondamental. Parce que vous savez, quand on est en quête d'une vérité, il faut souvent se baser sur ce que nous avons sous les yeux. Parce que parfois, l'égyptologie peut introduire un biais, c'est-à-dire une manière de voir qui peut supposer une sorte d'œillère. Parce que souvent, on se base sur ce qui a déjà été dit et on prend ceci comme, une vérité définitive, alors que nous avons un cerveau et des yeux pour voir et questionner les faits tels qu'ils nous apparaissent. C'est ce que Cheikh Anta Diop appelait la connaissance directe. Donc, vous devez toujours user de votre, j'allais dire, bon sens, de votre sagacité, de votre intelligence quand vous questionnez des faits, tels qu'ils soient, et ne jamais vivre par procuration, prendre pour acquis que ceux qui vous ont précédé ont nécessairement fait le travail comme il faut. Même si cela est évidemment possible, mais vous devez arriver à cette conclusion par votre propre réflexion. C'est-à-dire, lorsque vous questionnez le travail d'un auteur, vous devez passer par les moyens qu'il a utilisés pour arriver à une vérité, à l'énoncé d'une vérité. Et si cela vous convainc, eh bien, vous pouvez tenir pour vrai, jusqu'à preuve du contraire, les conclusions auxquelles il est parvenu. Voilà. Donc, c'est très important ce que je dis là, parce qu'on n'a pas toujours cette manière de voir, parce que beaucoup de personnes sont dans une forme d'académisme qui nuit à la manifestation de la vérité d'une certaine façon. Ils ne sont pas capables de voir des évidences comme celles que je suis en train d'exposer ici. Je parle même d'auteurs contemporains, hein, même dans le domaine de l'égyptologie, beaucoup ont du mal à saisir ces éléments de base que je suis en train d'introduire. Pourtant, ils me paraissent comme une évidence. Bon. Et je pense que vous serez d'accord avec moi que c'est une évidence. Voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est bien que le nom d'Osiris utilise les mêmes signes que le verbe pour l'adjectif pour signifier puissant.
Voilà pourquoi Griffith peut traduire le nom d'Osiris par le puissant. Voilà pourquoi Griffith peut dire que le nom d'Osiris signifie le puissant. Hein, c'est une hypothèse qui, de ce point de vue, peut paraître juste, puisque on sait que, d'après ce que je viens de dire, l'expression de la puissance en égyptien pharaonique et le nom d'Osiris sont des homophones. Ça veut dire que ça se prononce de la même manière. Et évidemment, il n'aurait pas pu échapper à un scribe, à un égyptien parlant sa langue, le fait de cette affinité. C'est impossible. Voilà. Donc, ceci est une première chose. Ensuite, ayant dit ceci maintenant, je vais apporter des solutions pour vous indiquer comment ceci se lit. Parce que ce sont des mots qui existent dans la vraie vie. D'accord? Je prendrai les langues soudanaises. Je commencerai par le Bambara. Sachez que cette graphie, qui est donc l'homographe du nom d'Osiris, c'est-à-dire l'homophone du nom d'Osiris, correspond notamment au Bambara Wassa, qui signifie enrichir, satisfaire, assouvir, être satisfaisant. On dira par exemple dans une phrase Aokana, Birifinin, Filabiri, Nyonintola, Kelen Wassara, c'est-à-dire ne recouvrez pas celui qui a la rougeole de deux couvertures. Une seule suffit. C'est l'expression de la suffisance. D'accord? Dans ce contexte-ci. Et vous voyez qu'en situation, on dit Wassara, qui est l'expression même que le copte retient comme étant oussiré. Hein? La structure phonétique est exactement la même. Et en fait, quant au fond, c'est exactement le même mot. C'est le même mot. Hein? Je le dis comme ça pour que vous n'ayez pas trop de chemin à faire pour comprendre. Donc, je simplifie. D'accord? Et c'est l'expression, vous le voyez. Du fait c'est un mot pour signifier s'enrichir, d'où l'idée de puissance. Hein, même si ce n'est pas immédiat, sachez que dans certaines autres langues soudanaises, ce mot signifie littéralement puissant, riche, etc. Mais je pars du Bambara parce que c'est une langue relativement connue et parlée par plusieurs millions d'individus dans le Soudan occidental. Donc, cela est facile de vérifier effectivement ce que je dis ici. En Bambara, wa, ça signifie notamment enrichir, satisfaire, assouvir, être satisfaisant. Et vous voyez que dans l'expression de cet thème, notamment quand on dit Kelen Wassara, une seule suffit, c'est l'expression de la suffisance, autrement dit de la complétude, c'est-à-dire du premier principe, autrement dit du chiffre 1. Est-ce que chacun comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez pourquoi, quand je dis Wassa pour signifier satisfaire, assouvir, être satisfaisant, et que je dis en contexte, par exemple, Kelen Wassara pour dire une seule suffit, il s'agit là de l'expression de la complétude, de ce qui est fini, abouti, achevé. Donc, par conséquent, du premier principe qui n'est autre que le chiffre 1. Est-ce que chacun comprend ceci? Parce que c'est fondamental. C'est la raison pour laquelle vous verrez, je vous ai dit que c'est un thème polysémique et que quel que soit le bout par lequel vous prenez le nom de cette divinité qui reste dans l'histoire comme étant Osiris, vous aurez toujours l'expression du premier principe, c'est-à-dire du chiffre 1. Parfait. Et on me signale qu'en Kikongo, wa, ça signifie guérir, ce qui est encore l'expression de la suffisance. Parfaitement. Et évidemment, c'est l'évocation évidemment, de ce qui reste dans la littérature comme étant le monothéisme. Mais je ne veux pas, moi, aller dans les ismes, parce que cela ne fait pas partie de notre discours. Ce sont des catégories récemment arrivées pour justifier un ensemble de faits concernant les religions dites révélées. Mais ça ne nous concerne pas. L'Afrique n'a pas de problème avec la diversité. Il n'y a pas de culture de civilisation polythéiste en Afrique subsaharienne. Bon, si je le dis, on comprend. Parce que le principe même fondamental de la divinité, c'est l'unité. C'est ce que je suis en train de rappeler ici, à travers la figure d'Osiris. Donc, si vous comprenez ce que je dis, cela suffit. Ça permet de clore ce débat sur le polythéisme, le monothéisme, en fait. Il faut qu'on soit assez précis là-dessus. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, si vous comprenez ce que je dis, c'est clair. Donc, en soninké, on dira Wassa. Suffire, wassé, être suffisant, wasso, la plénitude. En baguirmien, du côté du Tchad, wassé, aisance, opulence, donc c'est le sens de richesse. Voilà pourquoi on traduit en égyptologie par puissant, en quelque sorte, d'accord? En daba, du côté du Tchad, on dit has, pour dire suffire. C'est une mutation de wassé, sachez que c'est le même mot, d'accord? Has, hein, c'est une structure phonétique qui, je l'espère, vous rappelle quelque chose, parce qu'il y a quelques jours, j'ai communiqué sur ces questions, notamment sur le nom d'Osiris, en évoquant
ce terme dans un autre contexte pour signifier ancien, vieux, etc. Bon, je ne veux pas y revenir nécessairement, mais c'est toujours les mêmes racines de toute manière. En Gambay, au côté du Tchad, on dit assis pour dire suffire. En Haoussa, c'est issa pour dire suffire, atteindre, arriver. C'est l'expression de la complétude. Ceci est fondamental, c'est très important. Vous devez comprendre que Osiris incarne la plénitude, la totalité. Voilà pourquoi il est Dieu. C'est la condition qui fait qu'il est Dieu. Voilà pourquoi il peut être démembré. Et on va amplement en parler aujourd'hui. Parce que son démembrement suggère la naissance de la diversité que nous observons autour de nous. Exactement. En Koulfa, on dira donc Assa pour signifier suffire. Et pour résumer les concepts en fait, qui se dégagent donc, de ce vocabulaire, bien sûr, c'est la plénitude, c'est la complétude, c'est l'intégrité, c'est la maturité, c'est la santé. Voilà pourquoi Osiris est le sauveur. Quand on dit qu'Osiris est le sauveur, c'est parce qu'il incarne le premier principe, c'est-à-dire l'unité. C'est-à-dire la bonne santé, hein? L'intégrité, la maturité, la complétude. Être en bonne santé, c'est être sauvé, vous le savez autant que moi. Je veux dire, le salut, c'est la condition même du salut. Voilà pourquoi Osiris est le sauveur, parce qu'il incarne le chiffre 1, c'est-à-dire l'unité. Il ne faut pas s'imaginer des choses extraordinaires quand on traite du principe de rédemption. Le principe de rédemption est basé sur ces éléments-ci que je suis en train de vous rappeler. D'accord ? Être suffisant, être plein, la notion de plénitude, etc., c'est ce qui est en soutien à l'idée de la bonne santé, à l'idée d'être sauvé, etc. Voilà. Et ceci intègre évidemment aussi dans un certain registre le domaine des sacrifices, etc., de la médication dans les traditions des peuples subsahariens, etc. Donc c'est réellement de cela qu'il s'agit. Il faut bien comprendre le paradigme dans lequel on est en train d'entrer pour être familier de cela. Parce que parfois, comme on vient toujours avec un bagage qui parfois peut fausser notre manière de voir les choses, notre manière de comprendre les choses, moi j'aime mieux vous prévenir qu'il faut quand même faire abstraction de ce que vous croyez savoir lorsque vous traitez de ces questions, parce que souvent, ce que vous croyez savoir est généralement un peu des murs ou des œillères comme ça qui se dressent et qui vous empêchent de voir des évidences. Donc, il faut savoir s'en émanciper et c'est peut-être encore la condition d'une certaine objectivité quant à l'observation de ce qu'on peut considérer comme étant des faits. Voilà. Donc, cette graphie, et je le dis encore une fois parce que c'est ici l'introduction. Cette graphie correspond, cette graphie que vous avez sous les yeux là, hein, qui est translittérée WSR, c'est-à-dire aussi Wassar, si on veut translittérer, ou SR, si on veut lire comme un égyptologue, correspond notamment au Bambara Wassa, qui signifie enrichir, satisfaire, assouvir, être satisfaisant. En soninké, on dira Wassa, c'est suffire. Wassé, être suffisant. Wasso, la plénitude. En Koulfa, c'est Hassa. C'est suffire. En bagirmien, wassé, c'est l'aisance, c'est l'opulence. En daba, c'est has, pour signifier suffire. Et il s'agit là, en fait, de la racine utile hein, dans ce registre. C'est la racine utile. En gambay, on dit assi pour dire suffire. En haoussa, c'est issa pour dire suffire, atteindre, arriver. C'est l'expression de la complétude, de la plénitude. Si ceci est clair, on va pouvoir poursuivre. Alors ici, naturellement, cette graphie a plusieurs expressions que j'expose rapidement ici, pour dire puissant, pour dire un homme riche, un homme puissant, la force, la puissance, la richesse. Sachez que toute cette graphie se rapporte au même terme d'une certaine façon, ce sont les variantes d'un seul et même thème hiéroglyphique. Et ici, j'expose en quelque sorte, disons, je sollicite le dictionnaire Mandingue de Delafosse, publié en 1950, où on trouve effectivement ce mot en contexte, hein, au sein des langues Mandingue. Donc ce mot, écrit graphiquement par le scribe égyptien, correspond notamment au mandingue commun wassa, qui signifie suffisance, assez, seulement, suffire, être suffisant, satisfaire, contenter. Et ne perdez jamais de vue qu'il s'agit là des thèmes qui se rapportent à la notion de complétude, de plénitude, d'intégrité, c'est-à-dire au premier principe, autrement dit, l'expression de l'unité, chiffre 1. D'accord ? Et j'expose en fait cette note de Delafosse parce que Delafosse présente également des variantes de ce thème au sein des langues soudanaises et même il étend cette correspondance parfois à l'arabe quand il trouve comme ça des éléments qui peuvent justifier d'une correspondance. Alors, ce qu'il appelle le saracolé, c'est le soninké, wassé. C'est un mot donc qui devient wassé en soninké. En songaï, c'est wassa. En bagirmien, c'est hassa. Je l'ai dit, en swahili, c'est bassi. En arabe, c'est basse pour dire assez. Sachez que c'est le même mot. Hein. Souvent, je le dis, ce n'est qu'une règle de correspondance usuelle parce que dans les langues subsahariennes, le B et le W sont interchangeables. Hein. C'est la même lettre.
D'accord? Mais dans l'esprit de Delafosse, il a pensé que, généralement, et on le fait souvent, hein, un peu, j'allais dire par paresse, on croit souvent que ces mots procèdent de l'arabe, quand l'inverse, c'est tout à fait l'inverse. Et je ne veux pas ici justifier pourquoi, parce que ça nous prendrait du temps, je n'ai pas vraiment besoin d'aller dans ce détail. Mais généralement, il faut savoir que l'arabe emprunte beaucoup de mots qui sont des mots soudanais, pour des raisons historiques même, cela suffit à le rappeler. Donc, ce mot donc, correspond notamment à l'arabe « bas » qui signifie « assez », donc c'est l'expression de la suffisance, hein. Dans l'esprit c'est cela. D'ailleurs, je crois qu'en italien, on dit « basta », c'est encore la même racine, pour signifier « assez ». Hein, c'est vraiment cela qui est... Donc, vous voyez que c'est un mot, en fait, même si je me limite aux langues soudanaises, c'est un mot qui est sorti du continent, bien évidemment. En songhaï, c'est « wassé », »,« wassa », en baghirmien, c'est « assa », et en swahili, c'est « bassi ». Sachez que, quand je dis en bambara « wassa », et je dis en arabe « bas », c'est exactement le même mot. Et vous devez en avoir la pleine certitude. C'est très important parce que, je l'ai dit tantôt, le « w » et le « b » s'interchangent au sein des langues subsahariennes. Il s'agit de la même lettre qui mute au sein des langues. Je donne un exemple. J'ai l'habitude, en fait, de donner un exemple concret pour le signifier. En swahili, par exemple, on peut dire « bantu » ou « watu » pour dire les hommes. D'accord? Et c'est évidemment le même mot. Ceux qui parlent ici swahili le savent parfaitement. Ça veut dire que dans les conceptions de cette nature, tout au moins pour ce qui concerne les lettres B et W, elles sont perçues et conçues comme une seule et même lettre dans les conceptions, disons, linguistiques des peuples subsahariens. Donc, c'est important. Voilà. Donc, si ceci est compris, là aussi, on va pouvoir poursuivre. Maintenant, je vais donc entrer un peu dans le vif du sujet en me servant, en fait, d'une image. Il s'agit d'une image du Dieu mort et ressuscité, c'est-à-dire Osiris. Il est représenté ici avec un suaire, c'est-à-dire un linceul, si vous voulez. Mais le suaire d'Osiris est quelquefois représenté d'une manière tout à fait singulière. Bon, ici, vous avez son nom, hein, le nom lu Osiris, c'est cette graphique que vous avez à l'image, je le dis pour ceux peut-être qui ne sont pas familiers des hiéroglyphes. Ce suaire est recouvert d'écailles de poisson. C'est fondamental. Parce que vous devez savoir que dans les représentations, lorsque le scribe représente ou l'artiste égyptien représente celui qui restera dans l'histoire comme étant Osiris, tout ce qui figure pour caractériser ce personnage est fondamental pour comprendre un certain nombre de concepts souvent très importants. Donc c'est très important ce que je dis parce que souvent on pense qu'il s'agit simplement d'une manière de représenter un roi et cela suffit. Non, le symbolisme est très important dans ce contexte parce que les anciens Égyptiens sont les maîtres du symbolisme. Il n'y a pas plus fort que les hiéroglyphes dans ce domaine. D'accord? Il faut bien comprendre que rien n'est laissé au hasard. Absolument rien. Et vous trouvez ici Osiris accompagné d'Isis, bien sûr, qui est représenté d'une certaine façon. Il est représenté avec un suaire recouvert d'écailles de poisson. Et lorsque vous voyez une telle image, vous devez premièrement vous poser la question de savoir pourquoi les ancêtres nous représente ce personnage avec un suaire couvert d'écailles de poisson. Qu'est-ce que cela peut vouloir signifier? Le premier moyen de parvenir comme ça à un début de réponse, c'est bien sûr de questionner le nom que porte l'objet en question, autrement dit les écailles, au sein des langues africaines. Parce que je vous ai dit, rien n'est laissé au hasard, et dans ce contexte, il faut toujours prêter attention aux plus simples détails pour essayer de comprendre finalement à quoi peut renvoyer ce symbolisme auquel nous invite le scribe égyptien. Donc, je vais commencer par une série, et cela suffit pour l'exercice, hein, vous verrez, parce que je vais solliciter les langues soudanaises et les langues de la zone dite bantou, c'est-à-dire la famille Niger-Congo, d'une certaine façon. En poulard, c'est-à-dire en peul, on dit wasere, pluriel, bassé, pour signifier écaille. D'accord? Sachez que la structure phonétique qui se dégage là, c'est le nom d'Osiris. C'est ça qui est Osiris en copte, ou Osiris en copte notamment. Et le pluriel bassé, c'est celui qu'on vient de voir tout à l'heure, si vous êtes attentif, notamment en arabe, pour signifier assez, c'est-à-dire l'expression de la plénitude, de la complétude, de ce qui est achevé, fini. D'accord? Mais en poulard, on dit wasere, le pluriel c'est bassé, pour signifier écaille. En bassa, qui est une langue réputée bandou, on dit basse, pour signifier écaille. En Wolof, c'est was pour signifier écailler, hein, l'action d'écailler, d'enlever les écailles. En Soninké, c'est wasi
pour signifier écailler le poisson. En Touki, c'est Yessa, mutation phonétique. La racine est toujours la même, si vous êtes attentif. En Touki, au Cameroun, c'est Yessa pour signifier écaille. Et en Sérère, c'est Wes. Hein, le Sérère a plusieurs mots, on dit également Basside. Hein, en Sérère, mais je retiens cette forme-ci, cela suffit pour l'expression, pour ce que j'ai à dire. En Sérère, Wes signifie écaillé. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est important dans ce contexte, et ce à quoi moi je souhaite réellement... ce sur quoi je souhaite attirer votre attention, c'est la permanence en fait de ce vocabulaire. Parce qu'on trouve Osiris représenté d'une certaine façon, je l'ai dit, avec un suaire, c'est-à-dire un linceul recouvert d'écailles de poisson. Pour comprendre pourquoi les ancêtres lui donnent ce vêtement, c'est parce qu'il faut savoir naturellement le rapport qu'il entretient avec le poisson. Si je ne veux même pas parler de cela, ça nous mènerait ailleurs et on aura l'occasion certainement d'y revenir. Mais c'est davantage aussi pour attirer l'œil, évidemment, sur l'objet écaille. Et naturellement, quand on est dans ce contexte, on doit évidemment aussi questionner le nom que porte l'objet. C'est la première manière d'entrer en connaissance, finalement, de ce symbolisme, évidemment. Voilà. Et je dis qu'en Poulard, c'est Wasere pour dire écaille. Le pluriel, c'est Bassé, en Bassa, c'est Basse. En Wolof, Was, etc. Et si vous êtes attentif, vous observez que c'est un vocabulaire que nous avons déjà rencontré dans un autre contexte, non, pour signifier notamment riche, opulent, puissance, etc. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais étendre cette réflexion à ce qu'on appelle le cryptotype culturel. Je vais étendre cette réflexion à ce qu'on appelle le cryptotype culturel pour que vous compreniez bien que, au-delà des mots, ce qui importe, c'est le concept. Donc, je reprends. Au-delà des mots, ce qui importe, c'est le concept, c'est la pensée symbolique, c'est la vision du monde, c'est le paradigme. Et ça, vous allez bien le comprendre parce qu'aujourd'hui, j'ai introduit le sujet en évoquant le nom des écailles dans certaines langues. On vient de le voir. Ici, je vais en introduire d'autres relativement au nom qu'on donne aux écailles, notamment les langues du Soudan occidental, en particulier le Bambara, le Malinké, le Mandinka. En Mandinka, on dit Fata pour dire écaille, peau, écorce, etc. Mais on va dire écaille dans ce contexte, cela suffit puisque c'est de la même... C'est le même mot en tous les cas. Okay? En Bambara, c'est la même chose. On dit Fara parce que le T du Mandinka devient R en Bambara. C'est une règle de correspondance usuelle. Ce n'est pas un mot différent. Je le dis pour ceux peut-être qui n'ont pas l'habitude des mutations phonétiques, toutes ces choses de la linguistique. Mais enfin, je pense que ce n'est pas difficile à comprendre. En Mandinka, on dit Fata pour dire écaille. En Bambara, on dit Fara. C'est l'écaille. En Malinké, on dit Fada ou Fara. Le Malinké, sachez que dans ce contexte, en fait, le Malinké est réputé être la langue classique du Soudan occidental. Je l'ai dit de cette façon parce que c'est important quand même que vous ayez cette perspective-là. Parce que quand on parle des langues soudanaises, le Malinké, c'est le modèle. Parce que le Bambara, le Mandinka, toutes ces langues, quoique ça ne plaise pas souvent à ceux qui, évidemment, parlent le Bambara, le Malinké. Parce qu'on a toujours comme ça des petits... on veut toujours tirer à soi le bénéfice d'un fait. Ben, ceci relève un peu du chauvinisme qui peut s'entendre. Mais bon, ici, nous devons quand même dire les choses telles qu'elles sont. D'accord? Et je pense que chacun est quand même capable de le comprendre. Et je parle en particulier du Malinké de Kankan, en Guinée. C'est vraiment le Soudanais classique. Hein? Je le dis parce que c'est un fait maintenant. Bon, je sais qu'on peut avoir des idées divergentes sur ces questions, mais c'est important pour moi de le dire car quand on étudie les langues, on le comprend aisément. OK? Donc, en Mandinka, on dit Fata. Écaille. En Bambara, c'est Fara. C'est écaille. En Malinké, c'est Fada ou Fara pour signifier écaille. La première chose, évidemment, c'est une structure phonétique qui se rapporte au thème même du roi d'Égypte, c'est-à-dire celui qui restera, le thème, le titre qui reste comme étant Pharaon. Ça, je l'ai dit déjà en partant, même si je ne veux pas aborder cette question aujourd'hui. Sachez qu'il y a un lien, mais je ne veux pas l'éclairer parce que je ne veux pas être long sur ces questions. Mais vous pouvez le comprendre d'après le fait qu'Osiris est le premier roi de l'Égypte pharaonique, c'est-à-dire le premier pharaon, entre guillemets, c'est important. Sachez également que ce thème se rapporte à Pharo, qui est le nom que les Malinké, Bambara et Bozo donnent à Osiris. On l'appelle Pharo, hein? Vous devez le savoir. Donc, cette structure phonétique a aussi à voir avec cette manière de voir. Je ne vais pas insister non plus aujourd'hui sur Pharo. J'aurai l'occasion d'y revenir à d'autres occasions. Mais je lance comme ça des pistes pour ceux peut-être qui ne seront pas présents les prochaines fois, qui sachent s'ils s'intéressent à ces questions, dans quelle
voient, ils peuvent s'orienter pour avoir des résultats probants quand vient le temps d'établir comme ça des correspondances entre la figure d'Osiris et les choses qui existent et qui sont dites aujourd'hui, notamment au Soudan occidental. Car Osiris, ce n'est qu'une manière de nommer. On dit plus généralement Pharaon, ça je dois vous le dire, parce que ce n'est qu'une question maintenant d'initiation et d'ésotérisme en quelque sorte. C'est-à-dire que Osiris, c'est la porte d'entrée. C'était un peu le tout venant dans la vallée du Nil qui pouvait le nommer de cette façon. Parce qu'il y a des interdits de prononciation dépendamment du contexte. Vous devez le savoir. Donc, vous devez savoir aussi que nos ancêtres ne se sont pas ouverts aussi aisément. Non. Et c'est la caractéristique même de l'école initiatique que de réserver des noms selon les contextes en réalité. Donc, je dis Osiris par convention parce que tout le monde connaît ce nom, mais je parlerai moins de Pharaon ni du Nomo parce que cela suppose une autre démarche aussi, je dois vous le dire. Donc, mais j'annonce comme ça que les choses trouvent ici quelques solutions importantes sans insister. Alors, pourquoi on sait que cette manière de nommer procède du même concept? Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'en réalité, au-delà des mots, vous devez surtout porter une attention sur le paradigme relevé par ce que j'appelle notamment le cryptotype culturel. Je nomme ainsi ce concept d'après Alain Ancelin. D'accord? Pourquoi? Eh bien, c'est cette acétate, en quelque sorte, qui apporte la réponse. Parce que vous devez savoir qu'au-delà des mots, effectivement, il y a des concepts, et ces concepts sont partagés. Qu'il s'agisse du mot « was » pour signifier « écaille » ou du mot « fata » pour signifier « écaille », le concept auquel se rapportent ces deux mots, ces deux manières de dire « écaille » est exactement le même. En poulard, je l'ai dit, on dit « wasere » pour signifier « écaille ». En bassa, on dit « bas » pour signifier « écaille ». En wolof, on dit « was » pour signifier « écaillé ». Mais dans les langues de la zone dite bantou, ces mêmes mots servent à signifier « fendre »,« démembrer », »,« moitié », »,« part ». Je donne quelques exemples. En lari, par exemple, qui est du Kikongo, on dit « basu » pour signifier « fendre ».« Bassa » pour signifier « moitié ». En boshi, qui est une langue du Congo, et « passi », c'est la moitié, c'est la part. En douma, c'est « ipassa » pour signifier « diviser ». La même règle est valable pour le nom de l'écaille dans le domaine soudanais. En mandinka, on dit fata, écaille. En bambara, fara, écaille. En malinke, fada ou fara pour dire écaille. En soninke, fata, c'est divisé, séparé. En malinke, fada, c'est se séparer. En zarma, c'est-à-dire en songaï, on dit fara, fendre. Et en bambara, bien sûr, on dit fara, diviser, briser, fendre, etc. D'accord? Donc, c'est bien important déjà de le comprendre de cette manière. C'est la raison pour laquelle on comprend ici que la pensée symbolique est la même. Et vous savez, comme moi d'ailleurs, qu'Osiris incarne, bien évidemment, le démembrement. Le corps d'Osiris a été démembré. Pourquoi? Parce qu'il incarne la totalité. Vous devez toujours avoir ceci en perspective. C'est-à-dire, c'est ce qui est complet qui peut être démembré et reconstitué pour former une unité, en réalité. Donc, c'est bien important de comprendre qu'en arrière-fond, nous sommes encore en train de décrire Osiris d'une certaine façon. Et les mots que je sollicite ici, évidemment, je l'ai dit, vous devez savoir qu'ils conduisent à des choses très importantes dans le Soudan actuel. Sauf que je ne veux pas, moi, aujourd'hui, aller dans ce détail, mais c'est important quand même de savoir que ça ne s'arrête pas ici. Il ne faut pas se limiter à quelques évidences et croire qu'on a compris. Ce serait prétentieux, évidemment. Donc, vous voyez que si on retourne maintenant dans le domaine, disons, bantou, entre guillemets, en lingala, on dira par exemple « lipassa » pour signifier les jumeaux. Quand on dit en douma « ipassa » pour signifier « diviser », on dit « li passa ». Le « li », c'est ce qu'on appelle un préfixe de classe. Le mot, c'est « passa » pour signifier « jumeau ». Vous observez que c'est le même mot pour signifier « écaille ». C'est le même mot pour signifier « fendre »,« moitié »,« part », etc. En bende, « mpassa », ce sont les jumeaux. En wanzi, « li bassa », ce sont les jumeaux. En ewondo, « mbias », c'est les jumeaux. En soninke, on dit la même chose. Toujours dans la suite du nom de l'écaille du domaine soudanais. On dit « ferao », donner des jumeaux. En kakabe, « feren », jumeau. En bambara, feren signifie morceau, éclat. D'accord? Et en bekwel, je le rappelle ici parce que c'est un thème que nous avons déjà abordé à certaines occasions, on dit notamment bobias pour signifier tout le monde, tout le peuple. C'est le mot que les Ewondo, qui est un peuple du Cameroun, utilisent pour signifier jumeau. Et bobias correspond à l'Ewondo bodbese. Et ce ese-là, c'est la structure phonétique. C'est le bc-là qui revient à chaque fois. Hein, quand on dit bassa, bc, bassou, c'est toujours la même chose. C'est le même concept d'une certaine façon qui revient pour signifier ensuite tout le peuple. Parce que le corps d'Osiris, c'est la totalité. Donc, rassembler les morceaux du corps d'Osiris, c'est une assemblée populaire. C'est faire l'assemblée populaire. Par exemple, une assemblée, récemment on dirait nationale, par exemple. Parce que vous devez savoir que dans une assemblée,
comme le tribunal d'Osiris, c'est exactement de cela qu'il s'agit. Si vous avez 40 juges qui représentent les différentes provinces, c'est-à-dire les nombres, c'est parce qu'ils sont les représentants du peuple. Ils sont les représentants du peuple. Donc, quand le peuple est rassemblé en assemblée, il forme le corps d'Osiris, qui est le pays, c'est-à-dire l'unité, une confédération. D'accord ? Et Mbassa, on dira Mbassa pour signifier la croix. En Douala, on dit Mbassa pour signifier la croix. C'est la raison pour laquelle, lorsque Osiris n'est pas vêtu d'un suaire recouvert d'une écaille de poisson, on mettra une croix sur son côté. J'espère que vous le voyez, cette croix. Est-ce que chacun voit la croix, telle que je l'indique ici ? À l'image, il est toujours succédé d'Isis, hein, parce que ce sont des jumeaux. Osiris et Isis, de toute manière, vous le savez, ce sont des jumeaux. Et vous savez que la racine utile pour nommer Isis et Osiris, c'est le nom que portent les jumeaux dans un nombre considérable de langues africaines. Mais est-ce que chacun voit? La croix sur le côté, sur le flanc d'Osiris. Ceci est fondamental. Vous verrez pourquoi j'insiste là-dessus. C'est parce que ce symbole va être ensuite emprunté par le christianisme, d'accord ? Ils vont croiser différemment, mais le concept est le même. C'est le principe de la passion. Parce que vous allez comprendre que la division là, hein, la division incarnée dans le nom d'Osiris, c'est ce qu'on appelle la passion d'Osiris. Parce qu'il a été démembré, c'est-à-dire les morts pour que nous puissions vivre. C'est très important ce que je vous dis là, même si, évidemment, ça ne vous paraît peut-être pas encore évident. Mais enfin, je dois quand même m'assurer que moins vous avez à l'image, ce que j'ai également à l'image. C'est-à-dire parfois, lorsque son suaire n'est pas recouvert d'écailles de poisson, on met une croix sur son côté pour signifier la même chose. Parce que la croix se dit Mbassa, c'est le nom des écailles. Mbassa, on dit par exemple Bas, les écailles. Mbassa, c'est la croix. Donc, c'est le même mot que nous prononçons dans ce contexte pour signifier la même chose en réalité. OK ? Parfait. OK. Donc, apparemment, vous arrivez à le voir, donc c'est bien. Donc, si ce que je dis, alors je n'insisterai pas davantage sur les mots comme Feren. Ce sont des mots qui sont apparentés au mot qui devient pharaon. Hein. Je le dis comme ça, mais je ne fais pas la démonstration, donc je ne vais pas insister, parce que vous pouvez encore vous poser beaucoup de questions ensuite. Le but n'est pas de traiter aujourd'hui du concept de pharaon. Nous y viendrons en certaines occasions. Pour l'instant, sachez simplement que voici les bases. C'est la figure d'Osiris qui construit cela, d'une certaine façon, parce qu'il est le premier roi de l'Égypte pharaonique. Et d'ailleurs, j'ai noté tout à l'heure, et ça, je le savais d'ailleurs par ailleurs, que le mot phara en Wolof signifie le roi, le chef. C'est un mot également qu'utilisent les Peuls. En Mandinka, on dit pharing pour signifier le roi, le chef. Donc, c'est un mot qui devient pharaon dans le discours générique des peuples qui vont produire les textes bibliques, notamment pharaoh, pharaon, etc. Bon, c'est une déformation de pharing qui signifie le roi, le chef, en Mandinka notamment. OK? Voilà, donc ça c'est dit, c'est clair, mais j'aurai l'occasion d'y revenir parce que ce n'est pas vraiment le sujet. Donc, alors, naturellement, la base conceptuelle de ce que je suis en train de rappeler ici, c'est la notion de démembrement. Et ça, c'est une acétate que j'ai déjà projetée à d'autres occasions pour rappeler ce qu'on appelle le cryptotype culturel. Parce que vous devez toujours avoir cette perspective lorsque vous voulez comprendre finalement à quoi se rapporte cette figure qu'on appelle Osiris aujourd'hui en égyptologie. D'accord ? Je n'évoquerai plus la notion de perte, le manque de quelque chose, parce que vous voyez qu'Osiris est à la fois l'opulence et le manque de quelque chose, parce qu'il incarne l'unité. Et il est la pierre angulaire de ces deux concepts. Il est l'opulence, c'est-à-dire la bonne santé, par le motif qu'il se sacrifie. Et il est également le manque de quelque chose par le motif que c'est lui qui nous permet d'être... Il est aussi l'expression du manque parce que c'est lui qui nous permet d'être complet. Et c'est ce cycle, hein, ce cercle vertueux en quelque sorte que nous appelons la spiritualité, que nous appelons la religion. Hein, c'est ce cercle vertueux qui justifie de tous les rituels que nous faisons dans le cadre des confréries initiatiques qui existent encore aujourd'hui en Afrique subsaharienne. D'accord ? C'est ça la clé de voûte. Osiris, c'est la clé de voûte en fait de la spiritualité, donc la pierre angulaire de la civilisation. C'est pour ça que j'ai souvent l'avantage de le dire, parce que vous devez comprendre l'importance de cette figure. C'est pour cette raison que toute la civilisation égyptienne repose sur la figure d'Osiris, en quelque sorte. Vous devez le savoir, parce que pour comprendre l'importance d'Osiris, eh bien, il suffit de regarder l'assemblée des dieux. Osiris est au perchoir. C'est lui qui dirige l'assemblée, parce qu'il est le roi des rois. Ça, c'est clair, c'est net. Il faut vraiment le comprendre. Hein, il a certainement une généalogie mythique, parce que Geb, Nout, etc., comme on dit en égyptologie, bon, ils sont importants, certes, mais ils sont dans l'assemblée, ils sont assis dans l'assemblée. C'est Osiris qui est au perchoir, et c'est lui le juge des défunts. Donc ça montre bien l'importance et la place qu'il occupe dans cette dialectique que je tente comme ça d'éclairer hein, par quelques mots, je l'espère, simples. Donc,
Ici, vous avez l'expression du manque, le verbe scier, c'est-à-dire fendre. Hein, en Aoussa, on dit assar ou assar et être coupé. En Guèze, en Éthiopie, on dira wessar et être scié. En Gbaya, au Centrafrique, on dit wessi, diviser, fractionner, séparer. En Touki, au Cameroun, au Sahara, c'est fendre. En Tunen, on dit esso pour dire la scie. En Bobangi, esso, c'est la scie. En Bassa, c'est so, c'est la scie. Hein, ce sont des mots qui sont très importants. Hein. Parce que, d'ailleurs, en Bassa, so désigne, c'est aussi la, le thème pour signifier la totalité, Bobasso, etc. Donc, je pense que, je l'ai souvent dit à d'autres occasions, mais vous verrez se revenir souvent les mêmes mots. Une fois que vous avez l'habitude et que vous avez cette facilité de comprendre ce à quoi je souhaite réellement vous amener, et bien vous allez comprendre que c'est évidemment un thème polysémique et c'est extrêmement riche. Ça ne se réduit pas au simple Osiris. Parce que dire Osiris, c'est pas et ensuite prétendre qu'on a compris, qu'on peut parler d'Osiris, on fait des livres là-dessus. Non, c'est prétentieux. Je vous le dis, c'est extrêmement prétentieux. Il faut vraiment, vraiment savoir que c'est un concept extrêmement, extrêmement riche. Et que nous ne faisons qu'introduire comme ça la question. Et on ne comprendra mieux Osiris qu'à travers justement les paradigmes soudanais, c'est-à-dire les traditions qui sont actuellement encore observées dans le Mandé et dans certaines régions d'Afrique centrale. En Afrique subsaharienne, disons en général, puisque de toute manière, c'est le même paradigme qui anime en fait la spiritualité des peuples subsahariens. Voilà. Donc, je sais que pour beaucoup de personnes, Osiris, ça paraît latin, ça paraît grec, donc ça paraît lointain. Mais à travers ce vocabulaire, j'espère que pour ceux qui parlent tout au moins quelques langues que je cite ici, vous aurez quand même le sentiment d'une proximité, parce que c'est fondamental. On ne va pas refaire. On ne va pas inventer tout un univers. Ça, c'est vraiment ce que nos ancêtres ont compris de l'univers. Et croyez-moi, ils ont mis du temps à le comprendre. Donc, nous devons simplement restaurer. C'est le travail que je suis en train de conduire, modestement, certes. Mais enfin, c'est cela, réellement, qui motive cette démarche, c'est-à-dire restaurer, rendre clair ce qui a été obscurci. D'accord? Parce que je ne le dis pas encore, car viendra le temps d'une communication où je vais insister sur ces aspects. Mais c'est cette figure, notamment, qui donne d'une part, ce qui devient l'islam, vous devez le savoir, et d'autre part, le christianisme, évidemment. Mais j'ai plus souvent parlé du christianisme dans ce contexte parce que c'est plus évident. Mais évidemment, si dans l'islam, on admet et on donne une place à Issa, c'est-à-dire le personnage de Luc de Jésus, on comprend bien que ce n'est qu'un arrangement, finalement, qui procède toujours d'une inspiration kémite à la base. Donc, il faut certainement davantage avoir des idées claires sur ces questions pour restaurer. Il ne s'agit pas d'être contre des religions qui seraient aujourd'hui des... partagé par un nombre conséquent de nos congénères. Il ne s'agit pas de stigmatiser comme certains le font, car je trouve cela parfaitement contre-productif, mais d'éclairer, d'enseigner, de montrer des choses peut-être que beaucoup de gens ignorent, simplement parce qu'ils n'ont pas été familiarisés à cela. Et aussi, notre parcours académique n'est pas toujours pour nous amener vers les humanités classiques africaines, les humanités fondamentales. Donc, ce n'est pas une faute pour quelqu'un qui naît dans une société où il n'a que comme référent l'islam, le christianisme, et il en fait tout un univers, tout un monde, parce qu'ils sont quand même de bonne foi, il faut quand même le savoir. Donc moi, je n'ai jamais compris pourquoi il y a un nombre, certaines personnes qui se prétendent kémites, qui ont comme ça le discours violent, stigmatisant sur non, c'est contre-productif et ça n'a aucun sens. Nous sommes tous aliénés d'une certaine façon. Parce que nous avons tous été colonisés, dominés, écrasés. Et c'est la volonté, justement, de l'écrasement que de nous aliéner, de nous déplacer de notre centre de gravité. Donc, nous ferons ce chemin ensemble ou nous ne le ferons pas. Il faut vraiment le comprendre. Nous serons tous sauvés ou nous ne le serons pas, car nous sommes tous une parcelle du corps d'Osiris. Et nous ne pouvons pas abandonner comme ça, sous prétexte que nous prétendons avoir déjà compris un certain nombre de choses, et que d'autres peut-être ont encore une habitude qui est le fait de l'histoire. Parce qu'on sait très bien comment l'islam arrive en Afrique, comment le Christ... On sait très bien, je veux dire, c'est facile à... Donc, il ne s'agit pas de stigmatiser et croire que, voilà, c'est par ce moyen qu'on arrive à convaincre. Non, il faut parler aux intelligences, et c'est l'enseignement, chacun est capable de bon sens. Donc. Et ici, j'utilise des mots que parlent précisément les peuples subsahariens, donc ils sont capables de savoir si je prends des libertés avec la vérité ou pas. Ils sont capables de le savoir. D'accord ? Voilà. Il ne s'agit pas de... Cela suffit, c'est-à-dire, c'est un travail scientifique, ça s'arrête là. Pas besoin d'aller au-delà pour donner des leçons. Ça, c'est contre-productif. Voilà. Ceci dit, si ce que je dis est clair,
On va donc poursuivre. Alors, le vocabulaire, ici, je vais juste rapidement parcourir comme ça les choses pour que vous sachiez à quoi cela renvoie quand même dans la représentation. Et les mots que je vais utiliser sont les mots du français, parce que je m'exprime en français. Donc, je vais utiliser un mot que je n'aime pas, évidemment, parce qu'il est réducteur et il donne l'idée, qu'il donne l'impression que c'est encore quelque chose de pas tout à fait sérieux. Pourtant, quant au fond, la description est la même, je vais l'illustrer à d'autres occasions, je vais en parler. La structure phonétique qui se dégage en fait du nom d'Osiris, entre guillemets, correspond notamment au Bassa Essa, qui signifie divinité en Bassa. C'est comme ça qu'on nomme la divinité en général, Essa. Et sachez que c'est l'expression du nom d'Osiris. Parce qu'on dit par exemple Essa pour dire divinité, on dit Issé pour dire le lièvre, qui est un animal d'Osiris. Donc cette relation-là, nos ancêtres l'avaient déjà envisagée il y a bien longtemps. Et c'est même la base sur laquelle repose le symbolisme attaché à la personne d'Osiris. Parce que c'est l'expression du principe de gémelléité, d'une certaine façon, c'est-à-dire les jumeaux. En Bakoko, voisin des Bassa, on dit Hessat pour dire le fétiche, entre guillemets. C'est bien ce mot que je n'aime pas tout à fait souvent employer parce qu'on a l'impression que quand on parle de fétiche, eh bien on est dans une sorte j'allais dire, de fétichisme, justement. C'est un peu inquiétant pour des personnes qui croient avoir une idée supérieure, en quelque sorte, de ce que c'est que la spiritualité. Mais ce n'est qu'un support. Et toute spiritualité a besoin de support. Et toutes les religions ont des supports, quelles qu'elles soient, y compris, bien sûr, celles qui ont souvent tendance à stigmatiser précisément les traditions africaines. Hein. Elles ont des supports, je pourrais en citer, mais ce n'est même pas nécessaire. Je pense que vous le savez autant que moi. Et j'aime autant le dire, parce que aujourd'hui, je n'en parle pas de manière spécifique, mais vous devez savoir, par exemple, en copte, on dit Ntouré. Ntouré pour dire la déesse, quand on parle, par exemple, d'Isis. Mais c'est le mot, par exemple, qu'on utilise, Toro, qu'on utilise dans les langues soudanaises pour signifier en français. Hein, le fétiche, vous voyez? Pourtant, en copte, c'est le mot pour dire Dieu. Parce que Ntouré, c'est le féminin de Nouté. Nouté qui signifie Dieu en copte. Le copte qui est réputé être le stade final de la langue parlée par les anciens Égyptiens. Mais, par exemple, en peul, en poula, on dira Toru. Toru pour dire en français le fétiche. Donc, vous voyez que c'est quelque chose, ça, quelque chose de un peu. Ce n'est pas tout à fait rendre justice conceptuellement à ces idées que de réduire cela à quelque chose de relativement banal et de croire que on est supérieur quand on ne dit pas fétiche. Pourtant, le crucifix, c'est un fétiche. Quant au fond, je veux dire, on doit quand même pouvoir se le dire, même si après, ça plaît moins de l'entendre, mais les faits sont les faits. Par exemple, la main de Fatima, toutes ces choses même qu'on trouve dans l'islam, peut être considérées parfaitement comme des fétiches. Et c'est parce que la fonction de cela, c'est bien la même fonction que les peuples subsahariens donnent justement aux objets forts. Et j'aime mieux l'expression objet fort parce qu'au moins on comprend qu'il y a une relation, que cela est justifié par une spiritualité. Voilà. En tout cas, donc en Bambara, on dira Bassi, qu'on peut traduire soit par fétiche en français, soit par médicament. Hein, en Maninka, Bassi, sachez que c'est le même mot. Hein. Si vous avez compris la racine, je pense que cela suffit. En Douala, on dit Mbassa, c'est la croix. La croix, c'est un fétiche, vous devez le savoir. Si on reste dans l'idée, parce que vous ne pouvez pas dire en Bambara, Bassi, fétiche. En Douala, Mbassa, la croix. Et pour celui qui a une croix, justement, il n'imagine pas que c'est un fétiche, alors que le mot Bassa, du Douala ou du Bassa, correspond au Bambara Bassi. Mais sauf que dans le dictionnaire, vous allez voir d'un côté fétiche, de l'autre croix. Mais qu'est-ce que c'est que la croix, quant au fond, ben, je pense que chacun peut parvenir à la même conclusion. OK? Donc, ce sont des objets forts. Et bien sûr, en Zanaki, Mbassa, c'est encore les jumeaux. J'aime à rappeler l'importance du principe de gémellité dans ce contexte, parce que vous allez comprendre précisément ce qu'on appelle la passion, je l'espère, en bout de ligne. En Bamoué, on dit Wassé ou Wossé pour dire en français le fétiche. En Itanikon, à l'ouest du Cameroun, c'est Mbass pour dire le fétiche. En Sar, Bessi, fétiche. En Yébia au Gabon, Yébassa, c'est le fétiche. En Kimbi, on dit Bouiti pour dire le fétiche, en Yombé Bouiti pour dire le fétiche. Sachez que Bouiti n'est qu'une mutation phonétique de Bassi. Hein. Je ne veux pas aller dans le détail, mais ce n'est pas parce que ça sonne différemment à l'oreille. Le T, c'est un S, etc. Enfin, je pense que si on fait un minimum d'exercice, on saura pourquoi je le dis. Et je ne veux pas non plus donner trop de temps à l'explication technique. Je pense que chacun est capable de le comprendre. Voilà. Donc, ici, je vais rentrer donc dans une seconde partie pour évoquer
précisément ce que c'est que la passion et la. J'allais dire l'aspect, je peux dire d'une certaine manière géographique peut-être, religieux aussi sans doute. En tous les cas, vous m'accorderez juste quelques secondes le temps pour moi de souffler et je reviens dans une trentaine de secondes. Merci. Ok, donc nous sommes de retour. Alors ici, je vais commencer par aborder un sujet important. Ici, vous avez à l'image une graphie, c'est un groupe de signes, une graphie hiéroglyphique, qui rend compte de l'idée Énéade. Qu'est-ce que c'est que l'Énéade? L'Énéade, en égyptologie, disons, c'est l'assemblée des neuf dieux primordiaux, d'après la cosmogonie héliopolitaine. Je passerai le schéma de cette divinité. Je vous renvoie pour ceux qui s'intéressent à la question, à vous intéresser à la cosmogonie héliopolitaine, et vous verrez dans cette cosmogonie apparaître ce qu'on appelle une Énéade, qui vient de l'expression du chiffre 9, qui vient de Énéa, si vous voulez, en grec, Énéa signifie 9. Voilà pourquoi on dit Énéade. OK? Donc, cette assemblée est évidemment est importante parce que c'est la source en fait de toutes, entre guillemets, les divinités. Alors quand je parle de cette façon, j'ai toujours la crainte d'être mal compris. C'est-à-dire que quand je dis divinité et puis les dieux, tout ça, on peut penser que je suis dans une représentation polythéiste du fait. Et il ne s'agit pas de cela. Mais j'espère que vous allez comprendre pourquoi je prends ces précautions quand j'aurai expliquer un certain nombre de choses. Mais pour l'instant, je vais dire la chose telle que vous pouvez la rencontrer dans la littérature commune. C'est quand même une base, on va dire. Okay? Donc cette graphie, il y a plusieurs façons de désigner les Néades qui représentent l'assemblée des neuf dieux, en fait, qui sont les pères de toutes les divinités, entre guillemets, en Égypte. Vous devez le savoir. Mais vous verrez qu'en réalité, c'est l'expression de l'unité, vous verrez. Mais bon, pour l'instant, je commence comme ça. Et cette graphie est intéressante parce qu'elle a en son sein un signe qui vous le verrez, est ce qu'on appelle un signe directeur dans la démarche analytique, c'est-à-dire la méthode Kumon, qui permet réellement de comprendre comment la chose peut être envisagée. Pourquoi on a l'impression de cette multiplicité alors que nous ne faisons que parler de l'unicité de Dieu. Mais pourquoi on est capable de dire les dieux alors qu'en fait, nous disons que Dieu est unique? Parce que c'est une question. Parce que vous savez que pour beaucoup de personnes, il y a comme une opposition entre ce qu'on appelle justement le polythéisme et le monothéisme. Et on prétend que c'est Akhenaton, c'est un pharaon, hein, qu'on appelle Akhenaton en égyptologie, qui aurait été le père du monothéisme, qu'avant lui, l'Égypte antique était polythéiste. Mais je suis en train de vous dire que le nom d'Osiris apparaît dans les textes des pyramides. C'est-à-dire à une époque où Akhenaton est loin d'être né. Et Osiris incarne déjà l'unité. Comment on peut prétendre ensuite qu'il a inventé quelque chose qui existe des millénaires avant lui? Ça n'a aucun sens. Je veux dire, il faut être quand même conséquent. Mais pour beaucoup de personnes, c'est comme ça qu'on dit les choses. Oui, Akhenaton est le père du monothéisme. Voilà. Enfin, on peut soupçonner les motifs pour lesquels la chose est dite de cette façon. Mais étant donné que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, je ne vais pas vraiment m'aventurer dans ces lieux-là. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est aucunement question ici, évidemment, de polythéisme et même de monothéisme, de quelque isme que ce soit. Parce qu'en réalité, c'est un paradigme auquel nous ne répondons pas. Parce que nos ancêtres n'ont même pas eu cette préoccupation, n'ont même pas eu ce questionnement d'imaginer qu'il y aurait comme ça plusieurs dieux. L'univers, conceptuellement, représente une unité. Parce que voilà pourquoi on dit même en français univers. Et vous savez très bien que c'est de cette compréhension que découle ce qu'on appelle la spiritualité. Donc comment imaginer ensuite qu'il y aurait plusieurs dieux? Ça n'a aucun sens. Si ce n'est une volonté de déprécier, de stigmatiser une tradition qui fait concurrence. Et c'est effectivement de cela qu'il s'agit.
dans ce contexte-ci, quand on parle de polythéisme, par exemple, c'est pour effrayer ceux, justement, qui, par un fait, disons, ceux qui n'ont pas connaissance, en quelque sorte, ou qui n'ont pas le temps, on va dire ça comme ça, d'aller dans le détail des choses, ni des lectures importantes, et qui prennent comme ça pour acquis ce qu'on peut leur dire, sans réellement se poser eux-mêmes des questions. Voilà. Voilà, la démarche qui est la nôtre consiste précisément à aller à la connaissance directe, c'est-à-dire à chaque fois que vous êtes face à une information, il faut la passer au crible de votre propre raisonnement. Vous ne pouvez pas prendre pour acquis ce qu'on vous dit, parce que vous êtes censé être dans le monde et vous devez pouvoir apporter un discours autonome sur les questions fondamentales et non comme ça s'abreuver à une source dont on ignore précisément l'origine, on ne sait pas quels sont les motifs qui font naître cette eau à laquelle nous courons. Il faut quand même se poser des questions fondamentales. Voilà. Donc, ici, vous avez le nom, l'expression hiéroglyphique de l'Énéade. Les neuf dieux primordiaux de la cosmogonie héliopolitaine. Observez bien cette graphie, vous allez voir. Alors, je passe le détail, je ne vais pas la décrire en détail, ce n'est pas nécessaire, vraiment. Pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un hiéroglyphe, bon, j'irai quand même aux solutions. Vous allez certainement comprendre ce que je dis. Donc, je ne vais pas, moi, être technique aujourd'hui. Ce n'est pas nécessaire, hein, réellement. OK? Donc, ce que nous allons distinguer aujourd'hui, c'est ce signe que j'ai encerclé en rouge. C'est dans ce contexte qu'on appelle le signe directeur. Cette graphie est translittérée PCDET. C'est comme ça que les égyptologues lisent la graphie. PCDET, d'accord? PCJET, si vous voulez, pour être plus précis. Et cela signifie en clair l'Énéade. C'est le sens qui est donné. L'Énéade étant, je le répète, l'assemblée des neuf dieux primordiaux, en particulier de la cosmogonie héliopolitaine, qui est la première, le premier corpus philosophique et religieux attesté dans l'histoire de l'humanité. Quand même. Bon, voilà. Donc la chose apparaît de cette manière. Maintenant, c'est sur quoi moi je souhaite réellement porter votre attention, c'est cet acétate qui présente deux graphies. Ces graphies sont, parce que nous utilisons toujours le même modèle, puisqu'il est répétitif et il est facile, le modèle des homographes. Ces graphies sont des homographes, c'est-à-dire des graphies qui utilisent les mêmes signes, mais qui n'ont pas le même sens. Le sens étant changé par le déterminatif. À gauche, vous avez comme déterminatif le signe qui permet de nommer l'Énéade. Vous l'avez vu tout à l'heure, c'est le signe que nous avons distingué. Ce signe représente la colonne vertébrale. D'accord? Sachez, c'est une simplification de la colonne vertébrale. Ce signe que vous voyez sous cet ophidien, là, sous ce serpent, ici à gauche. À droite, le déterminatif, c'est 9 traits qui signifie que c'est l'expression du chiffre 9. Bon, mais quand vous observez ceci, sachant que le déterminatif ne se prononce pas, ça veut dire en clair que quand je dis arrière et colonne vertébrale, je suis censé rendre compte de l'expression du chiffre 9 en égyptien pharaonique. Est-ce que chacun comprend ce que je dis ici? Est-ce que chacun comprend ce que je suis en train d'expliquer? C'est-à-dire que nous avons à l'image deux homographes. Les homographes sont des graphies qui utilisent les mêmes signes, mais qui n'ont pas le même sens. Mais puisque les mêmes signes produisent les mêmes sons, eh bien, nous sommes sûrs que ces mots se prononcent de la même façon. Ce qui veut dire, en clair, que quand je dis arrière ou colonne vertébrale, qui est le déterminatif de la graphie qui se trouve à gauche, et que je dis 9, qui est l'expression consacrée par la graphie qui se trouve à droite, dans la langue des anciens Égyptiens, je prononce un mot qui se ressemble. Je prononce deux mots qui se ressemblent, c'est-à-dire ce sont des homophones en fait. Okay. L'intérêt de cette démarche vise en fait à éliminer le hasard. Parce que cette manière de considérer les caractères sacrés par le moyen de l'homographe, c'est-à-dire l'approche analytique, permet d'éliminer le hasard. Parce que vous pouvez encore dire qu'on dit l'arrière, le dos de cette façon. Mais comment vous apportez la preuve de cela? Il ne s'agit pas de vous croire sur parole.
voyez, il faut apporter la preuve que vous avez raison. Et la preuve se fait avec la multiplication des exemples, c'est-à-dire que vous trouvez dans le même contexte une graphie qui a un déterminatif différent, qui signifie autre chose, et vous vérifiez si le mot est le même. C'est comme ça que vous savez que vous avez raison. C'est ça l'intérêt de cette démarche. Donc, si vous avez compris ce que j'ai dit, car apparemment c'est le cas, eh bien, je vais maintenant lire ce petit texte. D'accord? Qui solutionne les deux graphies. D'après le copte d'abord, et puis d'une certaine façon même d'après le grec, parce que le mot copte est passé dans le grec. La graphie lue, PSDJET, ou tout au moins translittérée PSD, et qu'on lit, hein, parce qu'on rajoute des E conventionnels pour pouvoir phonétiser, vocaliser, eh bien, la graphie lue PSDJET, qui signifie l'arrière, la colonne vertébrale, correspond au copte, au piso. Hein? C'est comme ça que le copte lit cette graphie. Le copte, sachez-le, c'est le stade final de la langue, enfin, tout au moins passe pour être le stade final de la langue parlée par les anciens Égyptiens. Donc, le copte, c'est quand même un pas sûr. D'accord? Quand le copte vous donne une proposition, ça veut dire qu'elle a quelque chose à voir avec la graphie. Ce n'est pas le hasard, en fait. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, la graphie du PSDJET, l'arrière, la colonne vertébrale, correspond au copte piso, qui signifie derrière, en arrière, ensuite. Mais c'est l'expression de ce qui est derrière le dos, etc. Je pense que chacun le comprend. Et ce mot est passé dans le grec, parce que le grec dit exactement au piso, qui signifie également derrière, en arrière, vers l'arrière. Donc cette graphie-ci est translittérée, entendez bien, PSDJET, mais on ne dit pas PSDJET, c'est une convention en égyptologie. Le mot dans la vraie vie, c'est au piso. Et on le comprend d'après le P et le S qui entrent dans cette graphie. Donc on comprend que c'est ça la forme utile en fait pour rendre compte de cette graphie. OK? Donc en grec, on dira au piso, mais d'après le copte qui dit également au piso. Et c'est un mot copte qui est passé dans le grec, puisqu'il y a une proximité évidente entre les Grecs et puis les Égyptiens anciens, évidemment. Voilà. Bon, une fois que j'ai dit ça, la graphie qui est translittérée maintenant, PSDJET, encore une fois, pour signifier neuf, correspond au copte. Psit, psis, psissé. Je ne sais pas comment il le prononce, mais c'est quelque chose comme psis ou psissé. Psissé, hein, pour dire neuf. Souvent orthographié psit, pour dire neuf. Sachant que la lettre psi que je prononce là, c'est un PS qui est dans opiso. C'est le PS, sauf qu'il n'y a pas, on a enlevé le I, évidemment. Donc c'est ps. Mais c'est la même structure phonétique. Même si à l'oreille, ça peut vous étonner, sachez que c'est ça, hein. Ben, je pense qu'il y en a peut-être certains qui le comprennent sans doute mieux, mais enfin, je pense que chacun est quand même capable de le comprendre. Voilà. Sinon, je n'aurais pas présenté cela parce que je pense que c'est quand même assez simple. Donc, je dis ceci. La graphie qui est lue, translittérée tout au moins PSD, et lue par les égyptologues PSDJET pour signifier neuf, correspond au copte psis ou psissé pour signifier neuf. Souvent orthographié également psit pour signifier neuf, sachant que la lettre psi, psi, représente la combinaison PS. D'accord? Werner Wichil, qui en 1983 a publié un dictionnaire étymologique de la langue copte, signale la transcription cunéiforme, c'est-à-dire du côté de la Mésopotamie, parce que les peuples mésopotamiens ont eu une correspondance très importante avec les anciens Égyptiens. Donc, les Mésopotamiens lisaient ce mot, pichit. Donc là, on va bien ressortir en fait la structure qui nous intéresse. Parce que quand je dis opiso et pichit, c'est plus évident. Donc le copte fait ce qu'on appelle une transformation, une mutation phonétique en quelque sorte. Mais enfin, la trace de la manière de vocaliser la chose est quand même tenue par le cunéiforme, ici rappelé par Werner Wichil. Donc Werner Wichil signale la transcription cunéiforme pichit du moyen babylonien, tout en rappelant que ce nombre, c'est-à-dire l'expression du nombre du chiffre 9 ou du nombre 9 tel qu'il paraît dans ce contexte, n'a pas de correspondance dans les langues sémitiques. Donc ce n'est pas un mot sémitique. D'accord? Pour signifier 9. Bon. Si ce que je dis est clair, je poursuis maintenant, car j'arrive maintenant aux solutions pour vous expliquer quelque chose. Le groupe lu PSDJET par les égyptologues correspond par exemple au Wango. Ça, c'est une langue du Congo. Mpis, qui signifie derrière. Si vous êtes attentif, c'est le nom qu'on prononce, c'est le mot qu'on prononce pour signifier neuf. Et c'est le mot que le copte utilise, opiso. La racine, c'est pis.
D'accord? Quand le copte dit opisso, la racine c'est pis, et c'est un mot qu'on trouve maintenant, vous le voyez, dans les langues de la zone dite bantou, pour signifier derrière. Et d'ailleurs, je vois, je salue d'ailleurs Obama, qui rappelle ici que bis signifie derrière en Bekuel, qui est une langue parlée au Cameroun et au Gabon. Merci, et cher frère, de ton assiduité et de ta participation, parce que naturellement, c'est quelque chose qui participe à instruire les uns et les autres sur la pertinence de ce que nous ne faisons que survoler ici. Donc, le groupe LU-PSD correspond notamment au Wongo Mpis, pour signifier derrière, au Bikele Mpiso. Hein, et je rappelle que c'est le mot que le copte utilise pour signifier l'arrière, le derrière. Donc, ça montre évidemment la proximité, évidente, la filiation génétique entre les langues subsaharienne et le copte. Je pense que cet exemple déjà permet de l'illustrer d'une certaine façon. Donc le groupe LU-PSD correspond au Wongompis, derrière au Bikele Mpiso, derrière qui explique le copte au Piso, qui signifie derrière. Le Wongompis, derrière, possède des équivalences au sein des langues subsahariennes. Alors ici, je donne maintenant des exemples, parce que j'étends la série à de nombreux exemples. L'intérêt de cette démarche est de montrer que nous parlons premièrement tous la même langue et que nous avons la même vision du monde. Ça, c'est le plus important parce qu'au-delà des mots que nous prononçons, ce qui est important, c'est le paradigme en fait. OK? Parce que c'est ce qui fait qu'on se sent étranger ou pas dans une civilisation. La vision du monde. C'est même ce qui est fondamental parce que la diversité peut encore être exprimée à travers les langues que nous parlons parce que pour certaines personnes, ce sont des langues différentes. On ne va pas forcer les gens à penser que nous parlons la même langue parce qu'ils ont la certitude que ce sont des langues différentes. Bon. Mais quand on est scientifique, on ne peut pas dire ce genre de choses. Parce qu'on est déjà dans un travail scientifique, mais ce n'est pas tout le monde qui a la préoccupation scientifique de ces faits. Donc, pour le commun des personnes, pour le tout venant, généralement, on pense que les langues africaines sont différentes. D'accord? Je peux même l'admettre, parce que je ne veux pas m'échiner à rappeler que nous sommes un seul et même peuple sur la base même de la langue. Mais ce qui est important, et ce sur quoi on ne peut pas transiger, c'est le paradigme. C'est ce qui fait qu'on est étranger ou pas quelque part. Et de ce point de vue, nous avons la même vision du monde. Donc, nous sommes un seul et même peuple. Ça, c'est clair. Parce que c'est le paradigme qui construit les civilisations. D'accord? C'est important. Donc, en Douma, par exemple, on dit Mbisa pour dire le dos. Hein? Sachez que ce sont seulement les mêmes mots qui reviennent. Ce sont les mutations phonétiques, hein? Mais c'est le même mot. Le P devient un B, etc. Voilà, c'est ça. En Wanzi, on dira Libese pour dire le flanc. En Mamboué, Bese, c'est le flanc. En Poulard, Béchal, pluriel Bese pour dire le flanc. En Chiluba, loup, baissé, c'est le flanc. Le loup, c'est un préfixe de classe. Le mot, c'est baissé. C'est le même mot qu'utilise le poulard. C'est quand même important souvent de le rappeler parce que pour beaucoup de personnes, on a souvent pensé que les peuples soudanais, les peuples de la zone dite bantou avaient comme ça une impossibilité de se rencontrer. Pourtant, nous parlons les mêmes langues. Nous avons les mêmes mots pour décrire des faits de civilisation qui sont de nature à nous rapprocher et à statuer sur cette unité culturelle dont parlait précisément le professeur Cheikh Anta Diop. En Douala, on dit Mboussa, c'est le dos. En Bassa, c'est Mbous, par exemple. L'exemple n'est pas ici, mais en Bassa, pour dire le dos, c'est Mbous, c'est le dos. En Vili, on dit Mboussé, c'est le dos. En Bekuel, Bas, c'est la côte. OK? On dit Bis, pour dire le derrière, Bas, c'est la côte. Hein? En Wanzi, Mbissa, c'est le dos. En Lingé, Bassou, c'est la côte. En Chiluba, Lou, Pessé. C'est le côté, si vous voulez. En Mobangi, Mbisa, c'est encore le dos. Sachez que toute cette série procède d'un seul et même mot, avec différentes affectations. On peut parler du dos, du flanc ou de la côte, mais c'est la même chose, conceptuellement parlant. C'est très important, vous devez le savoir, parce que le hiéroglyphe représente la colonne vertébrale. D'accord? Donc, la colonne vertébrale, naturellement, dans sa description, inclut les vertèbres, les côtés, etc. Donc, vous devez comprendre pourquoi conceptuellement c'est ce hiéroglyphe qui permet de rendre compte de ce vocabulaire. Bon, si jusqu'ici vous avez compris ce que je dis, je suis en train de vous expliquer par le moyen d'un homographe comment on exprime la neuvaine, le chiffre 9 en égyptien pharaonique. Car c'est ça mon objectif, puisque c'est cette neuvaine-là qui statue sur l'énéade, les 9 dieux primordiaux. Donc pour savoir comment s'appellent les 9 dieux primordiaux, vous êtes obligé de passer par ce moyen de vérification, c'est-à-dire l'homographie dont témoigne d'une part l'expression du chiffre 9 et d'autre part l'expression du dos, de ce qui est en arrière. Or, je vais donc
du connu vers l'inconnu. Mon inconnu, c'est l'Énéade. C'est un concept en égyptologie, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, je sais comment les peuples africains disent le dos. D'après le copte même, on voit que c'est effectivement comme ça que ça se dit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour exprimer l'Énéade, c'est un mot qui ressemble au mot du dos. C'est un mot qui ressemble au mot du flanc. C'est un mot qui ressemble au mot du côté. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Ok, je vais partager avec vous le chat d'ailleurs. Je pense que c'est une possibilité. Comme ça, vous verrez par vous-même aussi les commentaires parce que vous n'êtes pas tous, je le pense, au même endroit parce que cette communication est diffusée à la fois sur, sur YouTube et sur Facebook. Voilà. Donc, effectivement, d'accord. Donc, oui. Parfait. Donc, apparemment, c'est compris. Merci, Pauline. Merci, Kevin, Quadio et Génie. Merci. Merci pour cette réactivité. Voilà. Donc, cela semble clair, mais je vais juste reprendre pour qu'on parte vraiment sur cette idée. Pourquoi j'ai fait cet exercice? Il n'est pas vain. Il n'est pas anodin. Je fais cet exercice en ce moment. Pourquoi? Parce que je réfléchis un peu comme un mathématicien. C'est-à-dire, j'ai un problème. Mon problème, c'est l'expression de l'Énéade, les neuf dieux primordiaux. Je veux savoir comment mes ancêtres appelaient ce groupe de neuf. Comment ils étaient appelés. Je veux le savoir. Bon. Comment faire? Je trouve dans le système hiéroglyphique deux graphies qui se ressemblent. L'une qui désigne précisément cette Énéade et l'autre qui désigne le dos ou l'arrière. Je trouve que ces graphies sont des homographes, c'est-à-dire, ce sont des graphies qui utilisent les mêmes signes mais qui ont un sens différent. Mais je sais que puisque les mêmes signes produisent les mêmes sons, ça veut dire que si je sais prononcer un signe, je sais que je le prononce de la même manière pour les, dans les deux cas. Ça veut dire, en clair, que les deux homographes témoignent de deux homophones, phones, sons, d'accord? Donc, ça veut dire que je vais prononcer les deux thèmes de la même façon. Et si je suis donc en train de résoudre ce qui est plus évident pour moi, c'est-à-dire l'expression du dos. Parce que le copte me fournit une porte d'entrée sûre, c'est-à-dire un pas sûr. On dit opisso, d'accord? Et je sais que ce opisso n'est qu'une déclinaison de mpis dans les langues de la zone dite bantou pour signifier l'arrière, le dos. Je le sais, parce que c'est une règle de correspondance usuelle. Je n'ai pas besoin de faire d'autres discours à la suite de cela. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je dis mpisso et ces variantes qu'on vient de voir, l'UBC, etc., ça veut dire que ce même mot-là doit pouvoir désigner les neuf dieux primordiaux. C'est ça. En toute logique. D'accord? Bon, si ce que je dis est clair, je vais déjà attirer votre attention sur un fait. Parce que ce que je suis en train de vous dire là, c'est une histoire que vous connaissez. Mais peut-être que ça ne vous a pas frappé a priori. Parce que dans le discours génésique des théoriciens de la Bible, tout au moins des rédacteurs de la Bible, ou tout au moins des traditions abrahamiques, nous avons deux personnages qui sont Adam et Ève. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment Ève apparaît? Est-ce vient d'où? Comment ces chroniqueurs de la Bible ont imaginé la naissance de cette première femme qu'on appelle Ève? Ok, Néal me dit de la côte d'Adam, du côté d'Adam, Obam, la côte d'Adam. Stéphane dit la queue. Bah, la queue. Comment ça, Stéphane? Tu n'as pas fait tes cours? En tout cas. Enfin, bref. Quadio dit effectivement, et d'ailleurs, je salue mon frère Quadio, la côte d'Adam, blessure d'Adam sur le côté. Mais merci. Ben, voilà, on a tous ceci en mémoire. D'une manière ou d'une autre, je pense que chacun le sait. D'accord? Eh bien, sachez que ce discours
procède de ce que je suis en train de vous expliquer là en ce moment, c'est-à-dire de cette pensée égyptienne sur la question du flanc associé aux neuf dieux primordiaux, hein, à la généalogie divine. Vous devez le savoir, même si ce n'est pas encore évident, vous allez mieux le comprendre ensuite. Mais sachez que ce n'est pas un hasard si les mots du flanc interviennent dans ce contexte-ci. Ce n'est pas par hasard, non. Ce n'est pas le hasard, non. Sachez-le, d'accord? Que c'est cette description, même si je n'ai pas encore clarifié le fait tout à fait, mais sachez, je le dis déjà en introduction, sachez que c'est cette description qui soutient les discours génésiques de la Bible ou du Coran, notamment sur l'apparition, on va dire ça comme ça, un peu énigmatique, d'Ève. D'accord? D'accord. Parce qu'elle passe pour avoir été tirée de la côte d'Adam. D'accord? Et la côte, dans les langues africaines, c'est le flanc, ou la côte, c'est libécé, baissé, en poulard, c'est baissé, c'est le pluriel, etc. Vous le voyez autant que moi, d'accord? Bon. Mais ne perdez pas de vue que nous sommes en train de nous acheminer vers la description de ce que c'est que, finalement, l'Énéade, ok? Ok. Eh bien, ce que vous devez savoir, mais je pense que certains l'ont peut-être déjà compris, c'est que tous ces mots que je viens de solliciter pour signifier le dos sont les mots des jumeaux. Ce qui signifie que les neuf dieux primordiaux sont des jumeaux. C'est l'expression pour les nommer. Ebassa, en Jévové par exemple au Gabon, qui est une mutation de Mboussa, Mbissa, etc. Parce que ce qui change, ce sont les voyelles. La structure consonantique, c'est la racine, BS ou PS. Lingala, Lipasa, les jumeaux. Donc, pour les anciens Égyptiens, le mot qu'ils utilisent pour signifier l'Énéade, les neuf dieux primordiaux, c'est le mot qui, dans les langues africaines, désigne les jumeaux. Par voie de conséquence, sachez que Ève, c'est la jumelle d'Adam. Voilà la réalité du fait. C'est la raison pour laquelle, dans les traditions africaines encore aujourd'hui, on croit que cela émane de la pensée abrahamique. Par exemple, chez les Dogons, il est courant de voir nommer le garçon jumeau Adam et la fille Ève. Mais on va dire Adama, évidemment, dans ce contexte-là. D'accord? Et bon, je le laisse comme ça en suspens, parce que puisque je ne développe pas là-dessus aujourd'hui, j'ai la certitude qu'il s'agit là de thèmes kémites. Je ne crois pas que ce soit des emprunts, parce que c'est trop répandu. C'est trop répandu dans le domaine soudanais et au-delà pour que ce soit simplement un emprunt. Et qu'on imagine comme ça qu'une société conservatrice, comme peut l'être la société Dogon, a comme ça emprunté un fait aussi important. Parce que vous devez savoir que toute la société et la spiritualité des Dogons reposent sur le principe de gémelléité. Ils ne peuvent pas emprunter à ce niveau-là. On n'emprunte pas à ce stade-là. L'emprunt ne se fait pas à ce niveau-là. Ça peut être ailleurs, mais c'est trop important. Parce que la description même des nomos, ce sont les jumeaux. C'est trop important pour qu'ils aient comme ça eu la facilité d'emprunter. Voilà. C'est ce que je dis, mais je sais que peut-être il y en a parmi vous qui ont certaines idées sur ces questions. Je ne vais pas les discuter aujourd'hui. Mais sachez que ce n'est pas compliqué de former des certitudes sur ces questions. Donc, ces mots-ci, pour désigner les jumeaux, tels que vous les voyez là, en Jévové, on va dire Ebassa, en Wanzi, Libassa, en Tuluba, Dipassa, en Nyamwezi, Ibassa, en Bekwel, Was, en Douala, Diwassa, en Iya, Ipassa, en Angaza, Assa, en Bassa, Lihas. Hein? Le mot c'est Has, le Li c'est un préfixe de classe. Vous voyez que c'est encore les mots même d'Osiris. C'est la première chose à laquelle vraiment vous devez aboutir. Vous devez vraiment comprendre ça. C'est-à-dire que quand on parle de l'Énéade, sachez que l'Énéade est enfantée par cette divinité que les égyptologues appellent Atum. Sachez qu'à l'échelle cosmique, c'est Atum. À l'échelle du pays, c'est Osiris. Mais c'est la même entité, c'est la même idée qui soutient que soutiennent ces deux soi-disant divinités. C'est la raison pour laquelle on sait que ce n'est pas un système polythéiste. Parce qu'il faut comprendre conceptuellement à quoi cela se rapporte quand on parle précisément du démiurge. D'accord? Parce que Osiris, c'est qui c'est-à-dire le grain, tout comme Atum. En bambara, on dit Tomi pour dire le point, c'est-à-dire le point, le grain, tout, c'est la plus petite des choses, c'est l'expression, enfin, parce que vous devez savoir que le point, c'est l'expression géométrique de l'unité. Enfin, vous le savez, pour ceux qui sont mathématiciens. Et le grain, on va dire, c'est l'expression végétale de l'unité. Ça aussi, vous le savez, si vous savez compter les grains dans les marchés, ça aussi, vous le savez. D'accord? Donc, c'est toujours
le même schéma qu'on utilise de toute façon pour rendre compte de cette réalité-là. Donc, Atum, ce n'est pas un dieu, Osiris, et puis Osiris, un autre dieu. Ça, c'est les histoires des personnes qui ne font pas l'effort réellement de rendre justice à cette civilisation qu'on appelle la civilisation égyptienne. Et par voie de conséquence, de rendre justice aux sociétés, aux civilisations subsahariennes, parce que la proximité est évidente de ce point de vue-là. Donc, il faut savoir dire les choses comme il faut. Et je rappelle que quand je dis en douala, dit wassa, pour dire les jumeaux, le di, c'est un préfixe de classe. Le mot, c'est wassa. C'est ce mot qui signifie opulence, richesse, le manque de quelque chose, etc. Ce que je viens de dire tout à l'heure, et c'est le nom même assumé, c'est un mot assumé par la structure phonétique, ou tout au moins la graphie, qui rend compte de cette divinité que d'autres appellent Osiris. Hein. D'accord. Est-ce que vous comprenez cette relation? Et sachez qu'Adam et Ève, ce sont des jumeaux. Alors, je le dis comme ça parce que ça peut encore être un questionnement, parce qu'on a souvent pensé que comme la femme est soi-disant tirée de la côte de l'homme, elle a une moindre priorité sur des questions fondamentales. Non, ça, c'est le patriarcat qui réfléchit comme ça. Ça, parce que si nos ancêtres font cette relation, c'est seulement parce que les mots de la côte sont les mots des jumeaux. Voilà pourquoi ils attirent l'attention sur la côte. Vous devez le savoir. Et d'ailleurs, ceci est repris d'une certaine manière dans la description de la passion du personnage du Luc de Jésus parce qu'il est blessé à la côte pour les mêmes motifs. Mais je ne veux pas parler de cela aujourd'hui, j'y reviendrai à d'autres occasions parce que c'est Osiris. C'est pour ça que Osiris, la croix est faite sur le flanc. Vous l'avez vu tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure que quand on ne voit pas les écailles de poisson, on dessine une croix sur le flanc d'Osiris. C'est l'expression de la passion, c'est-à-dire de la division, du démembrement. J'étais un, je suis devenu multiple. Je suis devenu million. D'accord? C'est ça qui est exprimé à travers cette idée, le principe de gémelléité. OK? À partir de 1, on forme une multitude. Voilà le schéma dans lequel s'inscrit la figure d'Osiris. Et c'est ce que vous devez vraiment comprendre. Donc, simplement m'indiquer si ce que je dis est clair. Et on va pouvoir poursuivre. Merci. Et c'est la raison pour laquelle aussi, bien sûr, le schéma de la cosmogonie héliopolitaine est calqué sur ce modèle. Donc, quand on dit Pesedet, c'est une convention en égyptologie pour dire l'Enéa, ce sont les jumeaux. Le mot là, hiéroglyphiquement parlant, désigne les jumeaux. Il ne désigne pas directement le chiffre 9, mais je vais vous expliquer en quoi c'est le chiffre 9 ensuite. Mais déjà, vous devez comprendre qu'avant le chiffre 9, ce sont d'abord les jumeaux. Ça, c'est important. OK? OK, parfait. Donc, c'est clair. Et en dit ceci, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. C'est le chiffre 9. Parce que maintenant, on rentre dans ce qu'on appelle le cryptotype culturel. C'est-à-dire la description conceptuelle des faits. C'est-à-dire le paradigme, si vous voulez. Parce que une fois que vous avez la carte telle que je viens de la décrire, eh bien, vous savez finalement comment la chose peut être rendue de cette façon. Parce que le principe de gémellité est associé à la notion de multiplication. Évidemment. Ça va de soi. Je pense que c'est clair. Comment exprime-t-on le chiffre 9 au sein des langues de la zone dite bantou? En bonkeng, on dit bois, c'est 9. En douala, bien sûr, c'est 10 bois pour dire 9. En benga, iboua pour dire 9. En bassa, bo pour dire 9. En gomala, mvou pour dire 9 parce que c'est le b qui devient un v, d'accord? Ou un w, vous le voyez. Enfin, ce sont des règles de correspondance. Sachez que tout ça, c'est le même mot. En ewondo, on dit eboul pour dire 9. En Gumba, Eboa, pour dire 9. En Kimbundu, Ivoa, pour dire 9. Ce sont des langues bantoues apparentées. Le Goma, là, c'est une langue parlée à l'ouest du Cameroun. En tous les cas, ce que je tente de dire, même si à chaque occasion, j'ai tendance à me répéter là-dessus, c'est simplement indiquer que nous parlons la même langue. Encore une fois. D'accord? Et sachez que ce chiffre 9, conceptuellement, c'est l'expression du grand nombre. C'est l'expression de la multiplication. On le voit notamment parce qu'en Ewondo, par exemple, quand on dit Eboul, pour dire 9, la même racine procède pour former le mot Boulou, qui signifie multiplier, devenir nombreux. C'est en cela qu'on sait que cette Énéade, ils sont multitudes. D'accord? Ils ne sont pas seulement 9. On dit 9 parce qu'on sait que 9, c'est le maximum, c'est l'indépassable. Parce qu'après 9, on retombe à l'unité. D'accord? Donc, quand nos ancêtres disent 9, il ne faut pas attendre qu'on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est vraiment quand on veut simplement débuter. Là. Quand on dit 9 dans les traditions africaines, c'est la multitude. C'est l'expression de ce qui est nombreux. OK? Innombrable. En Ewondo, on dit boulou, multiplier, devenir nombreux. En Malinké, c'est bou, pour dire augmenter, accroître.
Bassa, Bol, se reproduire, être abondant, Bambara, Boulou Boulou, en grand nombre, Wolof, Foule, multiplier, Kara, Iboula, enfanter. D'accord? Donc, c'est les mots de la multiplication. Et c'est en cela qu'on sait, hein, qu'on voit la relation avec le principe de gémellité, parce que les jumeaux, c'est la multiplication, puisque les jumeaux procèdent d'une cellule unique qui a été divisée. D'accord? Donc, c'est la même pensée symbolique qui est ici en action. Sauf que vous devez comprendre comment nos ancêtres réfléchissent et pourquoi la chose paraît cette. C'est une question de paradigme, de vision du monde. Parce qu'on sait que le chiffre 9 exprime la multitude. Et la multitude, ce sont les jumeaux à partir de l'énéa tel que je viens de le décrire. D'accord? J'étais un, je suis devenu million. C'est cela qu'on appelle la passion d'Osiris. D'accord? Voilà pourquoi le personnage biblique de Jésus a une parole énigmatique quand il dit, enfin, je vais citer comme ça de mémoire, « Allez, faites de toutes ces nations mes disciples. » Vous voyez, il dit ça pourquoi? Ça, là, si ce n'est pas Osiris qui dit ça, moi, je ne sais pas qui peut le dire. Hein? Vous pensez qu'il dit ça pourquoi? Évidemment, il est dans le schéma de la description de qui c'est-à-dire le grain, c'est-à-dire Osiris, notre Seigneur, notre Sauveur, le Rédempteur, si vous voulez. Voilà. C'est un peu dans cette optique que moi, je souhaite quand même former votre compréhension. Je ne vous demande pas d'adhérer aux idées que je forme sur ces questions, parce que j'ai quand même un cheminement, vous voyez. Mais au moins, essayez de vous poser des questions et peut-être que vous aurez une certaine facilité à comprendre des choses qui peuvent paraître énigmatiques, en fait. D'accord? Ok, est-ce que c'est clair? Donc, ce que je veux dire ici, pour être bien clair, c'est que l'expression de la neuvaine, de l'énéade, d'accord? C'est la multitude, c'est le grand nombre, assumé évidemment par les jumeaux. Je pense que c'est évident. Je veux dire, quand on fait des jumeaux, des sextuplés, c'est l'expression de la multitude. D'accord? C'est ça le concept associé à ce qu'on appelle l'énéade. Ils sont neuf, mais en apparence, ils sont des millions. D'accord? Vous devez le savoir. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux. J'insiste. Il ne faut pas tomber dans cette erreur. Il ne faut pas tomber dans cette erreur. C'est l'unicité qui devient million, milliard. D'accord? Mais c'est le même qui change. Mais c'est dans ses manifestations, si on veut. Mais c'est toujours le même. C'est le Dieu qui est unique à la base. Ok, donc tout est clair, merci. Bon, si c'est clair, on va poursuivre. Alors, c'est la raison pour laquelle, eh bien, on peut maintenant comprendre ceci. Je l'ai dit, en Wanzi, on dit l'IBC pour dire le flanc, en Mambwe, BC pour dire le flanc, en Bambara, d'ailleurs, ça me vient, BC, c'est la machette. C'est toujours quelque chose pour couper, pour trancher. De toute façon, c'est le même concept, c'est toujours la même chose. En Poulard, on dit BC, le flanc. Les flancs, en Bekuel, Bas, c'est la côte, Wanzi, Mbisa, c'est le dos, Lenge, Basu, c'est la côte, en Aosa, on va dire Fasu, pour dire diviser, c'est le F qui devient B et vice-versa, ce sont des règles de correspondance usuelle, je le dis à chaque occasion. En Douala, on dit Epasi, pour dire diviser, Mbasa, c'est la croix. Voilà pourquoi la croix, c'est le paradigme par excellence des peuples kémides, parce que la croix, c'est le nomo, la croix, c'est pharo. Vous devez le savoir, et j'ai souvent dit à d'autres occasions qu'on ne va pas réinventer ces attributs, on ne va pas réinventer. Je veux dire, il faut bien comprendre que nous sommes dans une démarche de restauration. Parce qu'il y a certaines traditions, notamment le christianisme, qui a prospéré sur les paradigmes des peuples subsahariens. Donc, il s'agit simplement de restaurer. Parce que beaucoup développent une sorte de détestation sans compréhension, mais c'est encore de l'ignorance. Et on ne peut pas encourager ça, bien honnêtement. D'accord? Parce qu'il faut comprendre pourquoi Osiris représente la croix. Vous devez le comprendre. Et si vous comprenez ça, pour moi, j'aurais fait mon travail. Vous devez le comprendre. Ça me paraît essentiel. D'accord? Parce qu'on ne va pas... C'est-à-dire, la position du héros culturel, c'est toujours la croix. Pourquoi? Parce que la croix représente les quatre points cardinaux, la dispersion du corps d'Osiris. Il a été démembré. Si on ne dit plus qu'Osiris a été démembré, je comprendrais qu'on n'utilise plus la croix. Mais en Bassa, pour dire même faire le signe de croix, on dit Sembassa. Dans la tradition Bassa, Sembassa. Sem, ça veut dire fendre, couper, diviser, trancher. Sem, mais en Bassa, on dit Sembassa. Faire le signe de croix. D'accord? Donc, est-ce que ce n'est pas le christianisme qui a appris ça? Mbombo, quand ils le font. Donc, il faut bien comprendre que, au-delà des apparences, nous sommes dans une démarche de restauration. C'est à ce niveau que j'exige de la rigueur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer aux savants et se mettre à stigmatiser des symboles quand on ne les comprend même pas.
il faut déjà faire le travail de compréhension. Sinon, on fait autre chose, mais on ne s'inquiète pas de ces questions parce que c'est trop important. Bon. Donc, alors, vous voyez, en haoussa, on va dire fasou, pour diviser, en douala, et pas, c'est diviser. En lari, basou, c'est fendre, en bassa, pes, c'est la part, c'est la moitié, c'est le compartiment. Hein, c'est encore le même mot. Et en lingala, pour ne citer que le lingala, car je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui parlent précisément les langues du Congo, on dit passi, pour dire la souffrance, la douleur. Hein. Motemam passi, mon cœur souffre. Ça, c'est une parole même que je peux donner à Isis, quand on vient de martyriser son mari, Osiris. Motemam passi, mon cœur souffre. C'est ce mot qui va devenir passio, ou passio, et en français passion, la souffrance, la douleur, c'est ça. Mais qui procède donc du démembrement. Parce qu'on soutient que l'action de démembrer suppose la blessure, suppose la passion, la souffrance, la douleur. Voilà pourquoi ce personnage biblique qu'on appelle Jésus est battu, stigmatisé, etc. Voilà pourquoi il subit cela. Ce qu'on appelle la passion, c'est la souffrance. En lingala, c'est passi. Et c'est les mots même d'Osiris, c'est les mots même de la croix, c'est les mots même du soi-disant fétiche. Ce sont les mots d'Osiris. D'accord? Bon, est-ce que c'est clair ce que je dis? S'il vous plaît. Alors, je demande à chaque occasion, pas parce que je doute de votre compréhension, ça me permet simplement de valider que je ne suis pas en train de m'égarer, en fait, que je suis bien compris. OK, si c'est clair, évidemment, j'étends la discussion à la Marie. On va dire « bassa », être séparé, c'est toujours la même chose. En gourage, on va dire « baisser », séparer les graines. En guise, on dit « bis », devenir des compagnons, devenir des disciples. Voilà pourquoi il y a donc cette parole énigmatique, je l'ai dit, rappelée par le personnage de Luc de Jésus. Là, il dit « faites de toutes les nations mes disciples ». C'est ça, le principe de la passion, la multitude, d'accord, hein? Construction des temples, c'est ça. Mais ça se comprend d'après le corpus même égyptien. Pourquoi? Parce que c'est Isis, partout où elle trouve un morceau du corps d'Osiris, elle construit un temple, d'accord? C'est ce qu'elle fait. Voilà. Donc, c'est une parole osirienne par essence, empruntée certes par le christianisme, on comprend pourquoi, mais à la base, vous devez comprendre d'où ça vient et pourquoi c'est dit de cette façon. En couchitique, on dit « bossi » pour dire « diviser ». Et ici, je présente l'image, donc, la division cellulaire. Cela suffit pour comprendre le principe. J'étais un, je suis devenu million. C'est Dieu même qui s'exprime comme ça. D'accord? Ça, c'est la divinité même qui s'exprime de cette façon. J'étais un, je suis devenu million. Par le principe de la, et ce sont les jumeaux, principe de, c'est ça qu'on appelle la maat, l'équilibre, l'harmonie, c'est ça qu'on appelle la maat. Je l'ai souvent dit à d'autres occasions, mais qui part du concept de l'unité. Voilà pourquoi Osiris incarne la totalité, d'accord? Et c'est ça qu'on appelle la passion d'Osiris, qui peut être humanisée, mais à plusieurs échelles, on comprend qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui peuvent soutenir cette manière de voir. Mais c'est un paradigme, c'est un corpus constitué sur la base de l'observation de la nature, en fait. Okay. Donc, il faut aussi décharger un peu, parce que beaucoup de gens ont une idée un peu curieuse de ce que c'est que la spiritualité ou ce qu'on a, la religion. Ils détachent totalement ces éléments des faits de science, en fait. Ils pensent qu'il y a la science là-bas et puis la spiritualité ici. Ils ne comprennent pas qu'en Égypte antique, les prophètes, c'était aussi des savants. Mais oui. C'est-à-dire, un esprit normalement constitué, quand il parle de Dieu, parle du vivant. Il ne parle pas d'un Dieu qui n'existe que le dimanche ou le vendredi. Parce que tous les jours, on témoigne de cela. Donc, il faut savoir rendre compte dans sa spiritualité. Voilà pourquoi la science kémite parle de Dieu tout le temps. Okay? Il n'y a pas de dissociation entre ce qu'on appelle d'un côté la religion et de l'autre côté la science. Parce que l'un dans l'autre, c'est Dieu qui est la science. Voilà. Enfin, c'est évident. Enfin. OK, donc il faut quand même... Il faut quand même le comprendre. Et naturellement, je le dis en manière d'information. Je ne suis pas en train de... Enfin, tout au moins, j'espère que personne n'est choqué par ce que je dis, car je ne poursuis pas un objectif qui consiste à choquer. Non, ça, c'est pas... Voilà. OK, donc maintenant, je vais vous montrer un peu comment se construit donc cette dialectique morceau du corps d'Osiris, temple. Ici, disons que c'est un aspect que nous développons beaucoup plus au niveau des cours, hein, de l'école des scribes, je dois quand même vous le dire. Parce qu'il y a une partie que je peux m'autoriser à diffuser, et il y a des éléments que je ne peux pas malheureusement diffuser pour des raisons objectives qui sont liées à la matière même
que nous étudions. D'accord? Mais je vais quand même vous montrer cette dialectique. Comment se construit donc cette dialectique entre les morceaux du corps d'Osiris rassemblés par Isis et la notion de temple? Parce que pour ceux peut-être qui ne le savent pas, je vais le dire rapidement. L'histoire d'Osiris, qu'on appelle la passion d'Osiris, est dernièrement racontée par un auteur qui s'appelle Plutarque, dans un ouvrage important qu'il a intitulé Isis et Osiris, le traité d'Isis et Osiris. Okay? Alors, le traité d'Isis et Osiris raconte la passion d'Osiris. Alors, je passe les détails, mais enfin, je vous invite à lire cet ouvrage, parce qu'il est disponible assez aisément, ce n'est pas bien compliqué, de le trouver. Mais l'épisode qui nous intéresse ici et maintenant, c'est cet épisode qui rappelle que après qu'il ait été démembré, parce que c'est Seth qui démembre, qui découpe les morceaux du corps d'Osiris, il en découpe en 14 morceaux. Voilà, 14 morceaux. Et Isis va donc rassembler les morceaux du corps d'Osiris, et partout où elle découvre un des morceaux du corps d'Osiris, elle leur donne que soit bâti un temple. Donc, chaque temple est toujours réputé être le tombeau d'Osiris, de toute façon. D'accord? C'est de cette façon que la chose a été pensée. Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, notamment dans le christianisme, une église qui se respecte est toujours un tombeau, où il y aurait comme ça des saints. Mais vous devez savoir que ces saints sont en l'image d'Osiris, ce qu'on appelle les saints. C'est une description du martyr d'Osiris, parce que souvent, ce sont des saints qui sont aussi souvent des martyrs. Pour ceux qui connaissent un peu le christianisme, je pense qu'il n'y aura aucune difficulté. Surtout le catholicisme, en tous les cas, parce que, évidemment, le christianisme, aujourd'hui, a plusieurs visages. Et enfin, pour ce qui concerne le catholicisme, qui est beaucoup plus proche de l'orthodoxie kémite, d'une certaine façon, puisque la relation est immédiate avec l'Empire romain. Ensuite, il y a eu des réformateurs au sein du christianisme qui ont apporté d'autres manières de voir. Mais enfin, la base, c'est cela. Un temple est toujours un tombeau pour les raisons que c'est le corps d'Osiris. Osiris, c'est un cadavre. Il est toujours représenté sous la forme d'une momie, toujours. C'est comme ça qu'il rentre dans l'histoire. Il n'a pas d'autre manière d'être représenté. Il est mort, il ressuscite. Et la résurrection n'est possible, d'ailleurs, qu'au premier motif qu'il incarne précisément le premier principe, qui est venu de lui-même. Bon, ça, ce sont des mystères. Ce que je dis là relève quand même par certains aspects de ce qu'on appelle les mystères d'Osiris. J'aurais pu dire les mystères de Pharaon, parce que c'est réellement la matière qui est la nôtre dans ce contexte. Mais bon, je ne peux pas vraiment m'étendre là-dessus, et puis sans la certitude que vous auriez même compris grand-chose, ce n'est pas la peine. Donc, c'est ça. Donc, je vais parler réellement de cela maintenant, pour vous montrer comment la chose se déploie. La première chose, c'est que je vais solliciter simplement un vocabulaire. Le vocabulaire nous vient du peul, c'est-à-dire du poulard, où on dit « essou » pour dire « casser, briser, fendre ». C'est toujours la même racine, je pense que vous êtes maintenant d'accord avec moi. Et en poulard, on dit « esso ». Pluriel « essai » pour dire pièce, morceau, tesson. D'accord? Sachez que c'est l'expression du démembrement du corps d'Osiris, parce que c'est aussi son nom, et c'est aussi le nom d'Isis d'ailleurs. Parce qu'en copte, pour dire Isis, on dit « essai ». C'est exactement le mot que le poulard utilise pour désigner le morceau, la pièce. Voilà pourquoi c'est elle qui est en situation au moment de rassembler les morceaux du corps d'Osiris. Mais vous devez savoir qu'Isis et Osiris sont les deux facettes d'une seule et même chose. Cette chose est appelée Dieu en français. D'accord? Et ce sont des jumeaux. Donc, ils sont complets, de fait, parce que la complétude est assumée par ce qu'on appelle la quadrigéméléité divine. Ce sont des notions un peu complexes, a priori, mais on le comprend aisément lorsqu'on rentre dans la matière, en quelque sorte. Mais bon, donc, ceci simplement pour rappeler pourquoi j'en parle ici. J'en parle ici simplement pour rappeler que ce qu'on appelle la passion d'Osiris est soutenue par les langues kémites. Ce n'est pas une spiritualité qui est suspendue en l'air et on fait les choses sans comprendre. Parce que j'aime toujours à rappeler que, et j'invite les uns et les autres à avoir cette démarche, ne faites que ce que vous comprenez. N'entrez dans une démarche qu'à condition qu'elle soit réfléchie. C'est-à-dire, il n'y a pas dans ce domaine un gourou qui sait tout et puis vous rien, vous suivez aveuglément. C'est qu'on va vous amener dans un ravin et vous serez même peut-être la chèvre du sacrifice à ce moment-là. D'accord? Vous devez toujours savoir, comprendre ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est fondamental parce que ce n'est pas le lieu où il y a les mystères pour les mystères. C'est sûr qu'il y a des étapes, c'est une école en fait, c'est ce que je veux dire. Il ne s'agit pas de faire des choses que vous ne comprenez pas. C'est trop dangereux. Il ne s'agit pas de faire des choses. Donc, c'est quand vous comprenez quelque chose que vous faites parce que vous savez le bénéfice que vous pouvez en tirer. Donc, je le dis à chaque occasion parce que je sais que dans ces lieux, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'Afrique est vide, c'est-à-dire Kemet. Hein, que Kama est vide, et puis que chacun va s'inventer un peu sa chose, parce que non. Il y a des traditions qui sont constituées à Kémé. Il y a des ordres, des confréries qui existent.
Donc, non, c'est si vous n'êtes pas là-dedans, vous êtes où? C'est ça. Donc, il faut bien qu'on comprenne que ne faites que ce que vous comprenez. Ça, c'est la moindre des choses, vraiment. Et ensuite, bien évidemment, on est tous capables de compréhension parce que quand c'est expliqué, c'est compris. Voilà. Donc, ce qu'on appelle la passion d'Osiris, c'est cela. Hein, ça suffit avec le poulard et sous. Et je rappelle, même si j'y reviendrai à d'autres occasions, puisque je prévois une communication spécifique sur cette relation entre Osiris précisément et le personnage biblique de Jésus, qu'on appelle Issa chez les... Sachez que c'est son nom, c'est le nom d'Osiris, donc il va être emprunté par les chrétiens pour en faire le héros culturel de l'Europe occidentale. Mais ce n'est pas encore le sujet. Mais sachez que ces mots que je prononce là, c'est ça, en fait. D'accord? Mais bon, certains le savent parce que j'en ai souvent parlé. Mais aujourd'hui, je ne vais pas insister. Donc, quand je dis un poulard esso, pour dire la pièce, le morceau, le tesson, c'est le morceau du corps d'Osiris. D'accord? Et c'est la condition même qui assume l'idée de temple ensuite, vous allez comprendre. Mais à la base, je voulais simplement illustrer le fait qui consiste à voir Isis en train de rassembler les morceaux du corps d'Osiris. Okay? Cela a aussi une implication dans la construction de l'idée, hein, comment dire, de clergé, d'une certaine façon. Sachez que c'est pour ce motif qu'Isis est à la tête du clergé égyptien. Parce que c'est elle, d'après Diodore de Sicile, qui va organiser le clergé, qui va leur donner des affectations. Et Isis, c'est la femme. Donc, c'est le matriarcat qui est à l'origine de la compréhension de ce que nous avons, de l'organisation administrative, de ce qu'on appelle la religion. Souvent, on voit les hommes en chasuble partout, tout le temps. On ne comprend pas trop, en réalité, pourquoi on veut toujours imposer les hommes. Pourtant, en Égypte antique, il y avait des prophétesses. Mais je veux dire, j'en parle. C'est tellement évident. Mais il y en a beaucoup qui font des difficultés parce qu'on a toujours l'impression que la prêtrise, c'est pour les hommes. Non! En Égypte antique, c'est Isis qui gouverne le clergé, c'est elle qui organise. Osiris est déjà mort. Et tout ce qu'elle demande à ses prêtres, c'est organiser les cultes d'Osiris pour que sa mémoire survive. C'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle donne comme consigne aux prêtres qu'elle reçoit. Et elle remet à chacun, elle remet à chaque confrérie ce qu'on appelle un simulacre d'Osiris, c'est-à-dire une statue d'Osiris. Et elle demande à chaque confrérie d'associer l'image d'Osiris à un animal qui va représenter Osiris dans leur espace de souveraineté. Voilà pourquoi vous allez voir Osiris tantôt figuré sous la forme d'un taureau, parfois un caïman, c'est-à-dire un crocodile, parfois un ibis. Voilà pourquoi vous avez des animaux dans le panthéon égyptien. On a pensé que c'était de l'animisme. Moi, je trouve ça bon. Je sais qu'il y en a certains qui s'accommodent de ce type de vocabulaire. Moi, je trouve ça insultant. Pour une civilisation comme la civilisation égyptienne, c'est-à-dire la civilisation kémite, nous ne sommes pas dans les ismes. Nous ne sommes pas dans les ismes. Il faut quitter ça. Nous ne sommes pas animistes. Ça, c'est pour ceux qui ont inventé ce mot. Ça ne veut rien dire. Si on vous explique pourquoi nous utilisons l'image des animaux pour incarner ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire Dieu, mais vous allez comprendre. Mais n'allez pas dire ensuite que nous sommes des animistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens. Et je le dis avec sévérité parce qu'il y a beaucoup qui s'accommodent de cela. Oh, je suis animiste en disant donc que pour cela, on va s'écarter des religions abrahamiques. Non, ça ne suffit pas. Parce que le disant, on n'a pas encore compris. Parce que ce n'est pas une civilisation des animaux. Enfin, non. Il y a des mots pour cela dans nos langues. Quitte à ne plus utiliser un mot français, on va donc chercher dans nos langues quelque chose qui rend mieux compte de cette idée. Mais en tous les cas, j'espère que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire ici. Voilà, donc c'est cela. Alors maintenant, je vais donc au vocabulaire, je ne vais pas revenir là-dessus. Sachez que tous ces mots que je vais prononcer maintenant sont des mots qui se rapportent à la figure d'Osiris. Anjoula, donc Anjola, c'est-à-dire en Casamance, au Sénégal, on va dire was pour dire la portion, la part, et was pour dire partager, wasor, se partager. C'est de là d'ailleurs que naît des rituels comme l'Eucharistie, c'est-à-dire tenez, mangez, ceci est mon propre corps, buvez, ceci est mon propre sang. C'est parce que c'est le corps d'Osiris que les congrégations rassemblées peuvent procéder à cette ritualité, à cette ritualisation. En mémoire d'Osiris. Ce rituel rappelle cela, le démembrement du corps d'Osiris, et assume le fait que chacun, là où il se trouve, représente une portion, une partie du corps d'Osiris. Et c'était le cas effectivement en Égypte, où plusieurs villes avaient des affectations. Telle ville était réputée retenir le crâne d'Osiris, telle autre la jambe d'Osiris, telle autre le dos d'Osiris. C'est connu, c'est ce que je suis en train de vous dire là. D'accord? Donc, le clergé rassemblé formait le corps d'Osiris. Voilà pourquoi il pouvait avoir en partage un rituel qui consiste à dire tenez, mangez ceci à mon propre corps, buvez ceci à mon propre sang. Sinon, ça ne se comprend pas. C'est cela. En Mbeke, je l'ai dit, on dit Ewas pour dire les jumeaux. En Pergetegou, c'est PC, c'est la tranche.
En copte, on dit pâcher pour dire séparer, découper, démembrer, tout ce que vous voulez. D'accord? En wolof, c'est wasséré pour dire éparpiller. C'est le nom même d'Osiris. C'est en cela que je vous dis que c'est un thème qui est polysémique. En swahili, on dit issa pour dire la part, la portion. C'est le nom d'Osiris. En amharique, on dit bassa pour dire être séparé. En koyo, ipassa, déchirer, opérer. En douala, ipassi, c'est la part, la moitié, la pièce, le chapitre. C'est toujours quelque chose qui est découpé. En bassa, c'est pèse pour dire la part, la moitié, le compartiment, etc. C'est toujours l'idée de ces... D'ailleurs, c'est le mot que les bassa utilisent pour organiser l'administration politique. Pèse mbok, etc. C'est un pèse ici pour dire le continent, pèse mbok pour dire le quartier. Voilà. Donc, même dans l'organisation administrative, pour désigner les lieux, on utilise ce mot. C'est le nom d'Osiris pour signifier la part, la portion. D'accord? Voilà. Donc, c'est assez clair. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez donc cette relation qui est immédiate. OK? Par exemple, en douala, on va dire Epassi pour dire le morceau, et Bassi pour dire le temple, l'église. D'accord? En bassa, on va dire Pes pour dire la part, la moitié. On va dire Bassé pour dire le sanctuaire, l'église. Le mot, c'est direct. En douala, on dit maintenant, parce que c'est tout à fait récent, on va dire Mota. Mota et Bassi pour dire le chrétien. Non, et Bassi, c'est Osiris. Hein? C'est le corps d'Osiris. C'est le corps d'Osiris qui nourrit l'idée de temple. Sinon, ça n'existe pas. Et dans les langues africaines, c'est immédiat. En douala, je donne un exemple clair que chacun peut vérifier. On dit Epassi pour dire le morceau, la pièce, la part. Et Epassi pour dire l'église, le temple. Pourquoi? Parce que Isis, en rassemblant les morceaux du corps d'Osiris, a demandé que soit élevé un temple partout où elle trouve un morceau du corps d'Osiris. Donc, le rapport est immédiat. Voilà pourquoi on appelle l'église, le temple, et Bassi. D'accord? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que c'est clair? OK. Donc, apparemment, c'est clair. Donc, ça chemine vers la conclusion. Car c'est cela qu'on appelle, en définitive, la passion d'Osiris. D'accord? C'est cela. Ici, il y a des aspects, évidemment, que je n'ai pas abordés parce que ce n'est pas nécessaire, mais je pense que vous avez le fin mot. Donc, je conclurai simplement à dire qu'une autre histoire est possible dans ce contexte. Nous ne sommes pas condamnés au suivisme, d'une certaine façon. Nous avons des éléments dans nos langues et dans nos traditions qui peuvent faciliter la restauration d'un ensemble de faits observés par nos ancêtres. Pourquoi? Du simple fait déjà de l'authenticité et pour faciliter ce que nous appelons la renaissance des peuples kémites, la renaissance africaine. Voilà. Cette autre histoire qui est possible, elle existe quant au récit, parce que vous devez savoir que chez les Bambara Malinké, il existe des corpus constitués qui évoquent Faro. Dans ce contexte-ci, viendra certainement le moment d'en parler, mais pour l'instant, je ne peux pas réellement faire des développements très importants là-dessus, parce que c'est une réserve que je consacre à l'école des scribes, pour le motif que c'est un espace qui facilite quand même l'assiduité, le travail, un certain nombre de choses qui sont beaucoup plus régulières, disons. Mais je voulais quand même, dans ce contexte-ci, parler un peu de la passion d'Osiris. J'utilise le terme, je l'ai dit, Osiris de manière conventionnelle, avec l'idée que chacun comprend de quoi je suis en train de parler. J'aurais pu parler du Nomo dans les mêmes termes, ou de Pharaon dans les mêmes termes, vous devez le savoir. Mais je sais qu'on est plus ou moins familier de ces aspects, et c'est seulement dans l'étude maintenant qu'on peut rentrer en situation de comprendre précisément ce que c'est que Pharaon, ce que c'est que le Nomo, d'accord? Et c'est aussi un peu par respect pour ces traditions constituées que je me réserve le droit seulement d'en parler dans un certain contexte. Voilà, donc, je vous remercie de votre attention. La prochaine communication, en tout cas, je l'espère, va être consacrée toujours à Osiris, mais va plus spécifiquement porter sur cette graphie-ci que vous avez à l'image, qui est le thème générique qui permet de le nommer, à savoir le siège et l'œil, ce qui permettra d'établir quelques relations comme ça qui ont su prospérer à travers l'histoire,
à partir des personnages tels que Mithra, Dionysos, Adonis et dernièrement Jésus, etc. Ça permettra en fait de montrer un peu les avatars d'Osiris dans le temps, sachant qu'il reste quand même l'image originelle et originale. Et j'aime souvent à rappeler que la copie, quoi qu'on l'aime beaucoup, ne vaut pas l'original. Et nous avons quand même la chance en Afrique subsaharienne d'avoir ce corpus qui œuvre d'une certaine originalité. Et autant aller à ce qui est pour nous, qui relève pour nous de cette originalité, parce que c'est le travail de nos ancêtres. Et il n'est pas moins pertinent malgré le temps. D'accord ? Il n'est pas moins pertinent malgré le temps. Ça, je peux vous le dire, parce que l'univers n'a pas changé de schéma. OK ? Voilà. Donc, je vous remercie hein, de votre attention. Je ne saurais dire maintenant si je suis en mesure de prendre des questions ou pas. Je pense que bon, la chose a été relativement claire. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente fin de semaine pour les étudiants, car j'en ai reconnu quelques-uns, notamment ma sœur Caro Mama. Je vous donne rendez-vous samedi prochain et dimanche pour le module 1. Voilà, et je vous dis donc à très bientôt sur le chemin de la connaissance. Merci.